Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul, here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. Cause you brought me the sun. Hi, et bienvenue. J'ai oublié le everyone. Hi everyone et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage au choix, les amis, et pas des moindres. Nous sommes sur un tirage à 4 choix. Vous savez, les 4 choix en général, je donne tout. Alors, celui-là, ça fait un petit moment que je le prépare, j'ai trop hâte, voilà, de le faire, je suis toute excitée. Donc, on va voir tout, voilà, vous saurez tout sur, je vous vois, mais non, vous saurez tout sur votre prochaine, alors, ou actuelle, grande histoire d'amour. Et donc, bien évidemment, en fonction du choix que vous faites, vous verrez si ça résonne avec vous ou pas dès le départ. Ça va être très important. Voilà, pour pas partir dans des illusions, etc. Hein, je vous rappelle de garder votre discernement, votre propre ressenti, votre propre intuition pour les choix de votre vie, pour voilà, tout simplement, pour vous orienter dans la vie. C'est très important, ne remettez pas le pouvoir aux autres, mais remettez-le à votre propre lumière intérieure, voilà, votre puissance divine. Ouh. Je fais voler les plumes. Alors, voilà les amis, nous avons des plumes, voilà, on adore, pour changer un peu, pour faire votre choix. Donc, je vais vous aider à choisir, même si, bon, il n'y a pas 36 choses à faire. Mais juste avant, je voulais vous dire que vous avez toutes les informations sur mon site internet bymathilda.com. Tout est dans la description de la vidéo. Les jeux que j'utilise, parce que comme d'hab, vous le savez, il y en a un stock tout entier. Ensuite, nous avons la musique que j'utilise, etc. TikTok, Instagram, Facebook, tout ça, si vous voulez vous connecter à ailleurs que sur YouTube. Et bien voilà, les amis, attendez, j'ai oublié de vous dire quand même, merci, 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 merci les amis, parce que ça y est, on est 100 000, à moins qu'il y ait plein de personnes qui se soient désabonnées d'un coup, et du coup on est retombé à moins, mais bon bref, sinon on est 100 000 abonnés, ça y est, putain les amis, 5 ans, voilà, il m'aura fallu 5 ans. Mais je suis trop contente, c'était, en même temps c'était pas mon seul objectif dans la vie, mais ça fait trop plaisir, voilà, de pouvoir célébrer cette victoire, de pouvoir célébrer ce petit cap en fait, parce que finalement c'est un cap qu'on passe, voilà, ensemble, et je suis mais tellement tellement heureuse, voilà, de votre présence dans ma vie, de pouvoir vous aider, de pouvoir partager, de pouvoir vous offrir, voilà, tout ce que je propose, enfin vraiment, c'est un bonheur, quoi. Donc, voilà les amis, j'ai prévu une vidéo spéciale pour les 100 000. Je vous en dis pas plus, parce que j'ai envie que ce soit une petite surprise. Et donc, ça sera peut-être... J'ai pas encore la date de la sortie, mais bon, ça sera sûrement fin octobre. Donc, j'ai envie de dire, restez connectés, quoi. Restez abonnés, surtout, s'il vous plaît. Et partagez ma chaîne, partagez les vidéos, je sais pas, faites quelque chose. Non, je rigole les amis. Mais en tout cas, merci voilà, pour votre soutien. Enfin bon, de toute façon, j'aurai jamais suffisamment de mots pour pouvoir exprimer ma gratitude. Parce que vraiment, ça a littéralement changé ma vie. Et je vous remercie infiniment et je vous souhaite tellement de vivre aussi dans la joie comme ça, dans le bonheur, dans la passion. Comme moi, même si je ne vis pas que dans ça, mais...
Mais ma vie a quand même changé, hein, je dois le dire, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein, avant, j'étais infirmière, donc c'était pas le même délire. Voilà. Et donc, vraiment, faire ce que l'on aime, ça change la vie. Je vous le souhaite, mais profondément. Et c'est d'ailleurs pour soi que. Pour soi, voilà, c'est pour soi. Mais c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos. C'est vraiment parce que je souhaite de tout mon cœur que vous aussi, vous soyez dans cette même dynamique, quoi, finalement. Voilà, les amis. Écoutez, on était en mode déclaration d'amour. Voilà. Donc, on y va. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ben non, je pense que voilà, vous allez voir, le déroulé va être plutôt sympa. Vous allez voir au fur et à mesure du tirage. Je vais utiliser plein de choses. Enfin bref, vous verrez. On y va. Donc, pour le premier choix, les amis, voilà, hein, pas de surprise, nous avons une plume blanche. Voilà, pour le premier choix. Ensuite, pour le deuxième choix, nous avons une plume jaune. Attendez, il faut que je regarde où c'est que je dois me mettre là. Voilà. Une plume jaune pour le deuxième choix. Ensuite, nous avons une plume rose. On adore. On les adore toutes. Mais bon, voilà. Et la plume bleue. Voilà, tout simplement. D'un bleu éclatant, quoi, finalement. Pour le quatrième choix. Voilà les amis, je vous laisse choisir. Bien évidemment, vous pouvez regarder plusieurs tirages en fait, parce que bon, vous avez des doutes, vous êtes peut-être attiré par plusieurs et vous dites, bon, je sais pas, je stresse. Mais en fait, juste peut-être, voilà, vous pouvez en choisir plusieurs et peut-être que là, vous y verrez plus clair. Vous dites, ah ok, peut-être ça parle de ça, ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Gardez quand même votre discernement, gardez les pieds sur terre, tranquille et mille. Voilà, vous prenez pas la tête non plus, ce n'est pas le but, d'accord? Voilà, les amis, donc on commence tout de suite avec la plume blanche. C'est parti! Les amis, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi la plume blanche. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette grande histoire d'amour? Donc, on ira voir après. On va commencer par ça, les amis, et on ira voir après le reste. Alors, vous allez voir. On va voir un peu déjà qu'est-ce qui. Alors, déjà, on va voir un peu les symboles. Les symboles un peu qui ressortent peut-être pendant la rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Je souhaite que tu restes à mes côtés. Alors, c'est quelqu'un qui va vraiment pas vouloir vous lâcher dès le départ. Enfin, vous allez ensemble. Pas vouloir vous lâcher dès le départ. On a le collier. Alors, quelqu'un qui. Alors, il peut y avoir ce truc un peu significatif où on porte des colliers, peut-être l'un et l'autre, porte beaucoup de bijoux, aimer les bijoux, etc. Ou c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous offrir, voilà, beaucoup de bijoux, de trucs comme ça. Il peut y avoir un peu une dynamique comme ça. C'est quelqu'un, je pense, qui porte des bijoux, c'est peut-être vous, mais il y a un truc avec les colliers, les bijoux, les machins, tout ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la coccinelle. La coccinelle qui parle de porte-bonheur. Donc c'est peut-être, la coccinelle, ça sera peut-être un symbole, quelque chose que vous allez voir justement au moment de la rencontre, voyez? Si vous êtes attentif, bien évidemment. Ensuite, je te protégerai le parapluie. Alors, peut-être qu'il fera la pluie. Il pleut au moment où vous rencontrez. Alors, il pleut, c'est-à-dire que ça peut être une période, vous savez, un peu peut-être une période de transition, j'ai l'impression, vous savez, une période d'automne, peut-être un peu le printemps. Je vois ça plutôt en demi-saison ou peut-être l'hiver. Ou peut-être l'hiver. Mais ouais, je pense que quand même, votre histoire, elle démarre automne-hiver, je dirais. Mais bon, on va approfondir de toute façon ça. On va aller voir plus loin. Alors, la rencontre. Ouh! Alors, les amis. Alors déjà, il y a beaucoup de fleurs. Hein. Il y a beaucoup de fleurs. Donc déjà, on adore. Il y a le fait d'offrir des cadeaux. Alors cette personne, dès le départ, au niveau de la rencontre, j'ai l'impression, enfin cette personne ou vous, une des deux personnes, en fait, va vachement offrir à l'autre. Là, on a une période de transition. On a vraiment. Peut y avoir, comme ça au milieu, j'ai l'impression que c'est les deux personnes qui sont vraiment en transition. Dans leur vie. Vraiment, il y a de gros changements qui se passent autant d'un côté que de l'autre. J'ai un peu ce sentiment. Alors, ici, on a quelqu'un qui récolte un peu le fruit de son travail, quelqu'un d'assez mature, quelqu'un d'assez réfléchi, quelqu'un qui a du bagage, voyez? Quelqu'un, ouais, vraiment de mature ici, de ce côté-là. Ici, on a quelqu'un de très sensible, très romantique.
Mais je pense que c'est quelque chose aussi que vous pouvez avoir tout à fait en miroir. Mais on voit ici que cette personne, elle a, je sais pas comment dire, mais ça peut être les deux. Ça peut être les deux où il y a vraiment un côté ici très, très comment dire, ouais, très sage. Et ici un côté plus, plus léger, plus romantique. Voilà, on a un peu plus cette dynamique. Et on voit ici quelqu'un qui peut être un peu plus perdu, confus, peut-être un peu plus triste, avec des pensées un peu négatives, un état d'esprit un peu négatif. Comparé à cette personne, on dirait qu'il y a un peu plus de sagesse. Vous voyez, on a un peu cette dynamique. Mais on a quelqu'un quand même ici de très sensible aussi. Donc, on a de la sensibilité, on a de la sagesse, on a une période de transition déjà pour la période de la rencontre. On va aller plus loin, bien évidemment, pour la rencontre, les amis, parce que ça ne nous suffit pas. On a la femme. Donc, beaucoup d'énergie sensible. On a le mont, d'accord. Alors là, on va voir un peu plus ce qui se passe au moment de la rencontre. Les oiseaux et le chemin. Alors, j'ai l'impression que, alors, les deux vont être attirés l'un à l'autre direct, quoi. Il va y avoir vraiment, alors, le livre, du mystère. Du mystère dans cette relation dès le départ. Du mystère, je sais pas, il y a un peu un truc où, waouh, c'est assez mystérieux au départ. C'est-à-dire que je pense que du coup, cette rencontre, vous y attendez pas vraiment, en fait, hein, cette rencontre. Bon, après, toutes les rencontres, après, on s'y attend pas. Mais là, vraiment, vous étiez à mille lieues, j'ai l'impression. Vous étiez à mille lieues de vous dire, waouh, là, je vais rencontrer cette personne, quoi. Je sais pas, des fois, on peut le sentir, vraiment, quand on va rencontrer quelqu'un, ou peut-être on est célibataire depuis longtemps. Là, j'ai pas l'impression. Là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même aussi, autant d'un côté de l'autre. Ici, on voit peut-être quelqu'un qui n'était pas très très engagé, mais qui aimait bien peut-être flirter. Et ici, quelqu'un par contre qui était en couple. Ou quelqu'un en tout cas qui s'engage profondément dans une relation. Donc, mais qui était en fin de cycle ici avec la faux, donc qui s'arrête dans une. Enfin, qui arrête une histoire ou qui est séparé d'une personne, enfin qui sort d'une histoire longue, voilà, je vais y arriver. Et là, on voit quelqu'un qui a tendance à flirter un peu avec tout le monde. Vous voyez, on a un peu cette dynamique en fait qui ressort. Alors, ici avec la femme, on voit qu'il y a. Ça peut être la femme justement qui a une histoire longue, hein, puisqu'elle est de ce côté-là. Mais alors là, ce qui rejoint un peu les deux, c'est le désir d'engagement. C'est le désir même peut-être de mariage. Il y a peut-être ici pour vous le timing parfait justement pour pouvoir s'unir, hein. Vous êtes appelé à l'engagement et au mariage. C'est ça qui va, j'ai l'impression, vous faire vous rencontrer. Voyez, parce que vous allez avoir tous les deux envie de. Comment dire, vous engager dans quelque chose où il y aura des projets, etc. Vous voyez, il y a un peu une dynamique comme ça. Donc là, on voit en fait que il va y avoir des obstacles dès le départ en fait dans cette rencontre. Et ça sera du côté plus de la personne féminine, de la femme, voilà. Si jamais c'est homme-femme, ou une des deux femmes, si c'est deux femmes, enfin bref, vous avez compris, mais voilà, il y a la femme qui aura un obstacle dès le départ, en fait. Voilà. Donc, un blocage, un obstacle dès le départ. Alors, ça peut être un blocage, notamment ben, parce qu'il y a encore une autre personne, parce que cette personne, elle est bloquée émotionnellement. Parce que voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Donc ça déjà, il y a cette dynamique. Là, il y a quand même ici le ressenti dès la rencontre que il y a une harmonie aussi avec le rond comme ça, qu'il y a une harmonie qui peut se faire entre les deux. On va ressentir l'harmonie dès le départ, en fait. Vous voyez, il y en a l'as de trèfle, c'est quand même de la chance. On va ressentir en plus avec le coccinelle porte-bonheur, il y a un peu ce côté, ce côté, waouh, c'est la chance, le bonheur. Dès la rencontre, on va se sentir vraiment très très léger. Vous voyez? Même si on est lourd chacun de son côté, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même une dynamique comme ça. Puis on va se sentir libre. Et alors dès le départ, il va y avoir beaucoup de communication.
puisqu'on a les oiseaux, donc ça communique, voilà, ça communique, ça échange, ça se voit, peut-être si vous êtes à proximité, ça se voit beaucoup, etc. Donc dès le départ, on parle, on échange, enfin voilà, on est dans cette dynamique. Ici, il y a le chemin, donc on voit qu'il y a aussi peut-être un carrefour, un moment de transition important dans la vie d'un des deux ou des deux, et un besoin de réorientation ou de nouvelle orientation, peut-être de déménagement, de changement de travail. Voilà, il y a quelque chose d'important, peut-être de divorce aussi, assez significatif au moment de la rencontre. Voilà. Ok, on va aller voir maintenant les signes astro. On adore les signes astro qu'il peut y avoir dans cette histoire. Alors, Pixies, on a Poisson, on a Cancer, Cancer, les signes d'eau. Oula, je vais en prendre 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Capricorn, on adore. Ok, pardon pour le bruit de chaise. Est-ce qu'on en a un autre? Oh là là. Et Taureau. Ok, j'adore. Donc ça peut être les signes astro qui sont dans votre le vôtre ou celui de l'autre personne, ou qui sont dans votre thème, etc. Donc ça, vous prenez. Voilà, c'est pas obligatoire, bien évidemment, mais ça peut vous orienter quand même pour vous dire, ouais, ce tirage, il est vraiment pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, maintenant, on va aller voir un peu plus. Alors, c'est où, ça? C'est ici. Les circonstances, un peu plus les circonstances, la période, le lieu, etc. On va voir si on a plus d'infos. La maison 10. Alors, le travail. Rencontre par le travail. La mission de vie, c'est relié à la mission de vie, au travail, à la carrière. Donc, c'est quelqu'un que vous rencontrez pas forcément au travail, du coup. Parce que vous pouvez faire un travail, en fait, qui n'est pas relié à votre carrière ou à votre mission de vie. Donc, c'est quelqu'un, pour être plus précis, c'est quelqu'un qui est relié plutôt à votre carrière ou votre mission de vie. Donc, c'est quand vous êtes connecté à ça que vous vous connectez à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on a cette dynamique. Il peut y avoir aussi rencontre la nuit, le soir, beaucoup de choses qui se passent la nuit ou le soir avec la chouette. On a aussi beaucoup de clairvoyance ici. Ensuite, on a alors, ça, c'est quoi? C'est le trigone. Ouh, harmonie, vous voyez, perfect flow. Voilà, donc c'est très, très harmonieux. Alors, pendant la rencontre, vraiment, très, très fluide. Une rencontre ultra fluide. Plus fluide que ça, tu meurs. Voilà, tout simplement. Et puis, vous allez peut-être avoir des signes angéliques. On a le support angélique, enfin, l'assistance angélique. Donc, il y aura les anges autour de vous. Vous verrez justement des plumes, des papillons, des trucs. Enfin, voilà, il y aura des signes, en fait. Vous voyez, des signes qui vont vous alerter, qui vont être autour de la rencontre, en fait. Et ensuite, on a la maison 11, pardon. C'est pas con. Alors, peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez via un groupe d'amis, une équipe professionnelle peut-être, groupe d'amis, etc. C'est quelqu'un qui a le même état d'esprit, la même vibe. Alors là, vraiment, on est sur une idée de bonne, très très bonne entente amicale avec cette personne. Dès le départ, ça match sur le plan amical. Voilà, donc on s'entend bien, on a un peu les mêmes valeurs, un peu, on s'entend, quoi. On s'entend bien, c'est fluide. En plus, vraiment, ici, on a des énergies qui en plus, quand on voit les signes astro, c'est vraiment des énergies qui communiquent très, très bien ensemble, qui sont harmonieux ensemble, vraiment, hein. Donc, qui s'entendent plutôt bien, en général. Donc, c'est vraiment très fluide, on est un peu d'accord, on est un peu pareil, on est un peu... Voilà, on a cette dynamique qui ressort. Donc ouais, là après, comme je disais, carrière, mission de vie, la nuit, le soir, il peut y avoir, ouais, parce qu'avec le collier, ça peut être aussi pendant une soirée, où la personne, elle s'habille bien, elle s'apprête, vous ou l'autre, ou les deux, il peut y avoir aussi cette dynamique, mais c'est quelque chose un peu de classe, hein, c'est pas genre la soirée en boîte, je vois pas du tout ce style de truc, je vois plutôt un événement.
voyez, un événement où il y a du monde, où on reçoit, etc. C'est plus chic. Voilà, quelque chose de chic, pas quelque chose. Les colliers aussi, ça peut être les cristaux. Alors, on peut peut-être nous parler aussi des cristaux, voilà, qui vont être importants aussi, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, les cristaux ou les. Comment on appelle ça? Les perles. Enfin, la perle rare, mais c'est pas ça non plus. Enfin, peut-être que vous aurez l'impression que c'est une perle rare. Mais c'est. Comment on appelle ça? Les pierres précieuses. Voilà, pierres précieuses qui ressort. Voilà, qui peut être significatif. On a encore les oiseaux ici, donc énormément d'échanges et de communications sur le plan amical. Vraiment, ça bavarde. Vous voyez? Et puis, il y a ce côté de aider l'humanité aussi. Donc, ça peut être pendant aussi un contexte de. Pour aider l'humanité. Donc c'est pour ça que c'est relié à la carrière, à la mission de vie. Et c'est vraiment un truc en mode, peut-être que vous avez une mission en commun ou que vous êtes dans la même équipe pour pouvoir aider les autres, servir les autres. Je sais pas, puis vous vous rencontrez dans ce truc-là. Voyez? Alors pour le lieu, vraiment là, le lieu, j'ai pas d'informations spéciales. J'ai pas d'informations spéciales. Donc bon, on va aller voir. On va approfondir, bien évidemment, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, c'est ça. On va aller voir un peu. Pour voir, et peut-être qu'on aura plus d'infos du coup. On va aller voir qu'est-ce qui va vous attirer direct chez la personne et qu'est-ce qui va attirer l'autre direct. Alors, on va voir ici déjà qu'est-ce qu'on a. Alors, soit ils sont un peu olé olé, on voit les boobs et tout. J'espère que YouTube va pas me saouler avec ça. Alors, on a donc ici bah, la mort, hein, déjà. Waouh, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante, ok. Et le 3 de denier. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, 10 de pentacle. Oh, waouh, on a le pape et la papesse. J'adore. Et on a la reine de coupe. D'accord. Alors, ce qui va vous attirer l'un à l'autre, en fait, hein, ce qui va vraiment vous attirer, déjà, on voit qu'il y a la notion de spiritualité. Déjà, ça, c'est clair et net. Hein, la spiritualité, ici, est vraiment omniprésente. Avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Ça, c'est quelque chose qui va vous créer une affinité directement parce que vous avez vraiment la même, peut-être même que vous êtes tous les deux dans la même religion, voyez, la même religion, le même courant spirituel, mais vraiment très spécifiquement, quoi. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui vous unit, mais direct, vous avez exactement la même chose, voyez ce que je veux dire? Donc, on a déjà cette dynamique. Ensuite, il y a encore ce désir d'union, ce désir de mariage, hein, qui ressort aussi. Pour vous. Ce désir aussi de fertilité, de croissance, fondation peut-être de projets, de famille, de foyer. Il y a un truc comme ça de toute façon. Là, on a encore cette notion de fin de cycle, hein, qui ressort. Donc, alors, fin de cycle, enfin vraiment. En fait, vous allez créer énormément d'affinités. En fait, ce qui va vous attirer chez l'autre, je pense, c'est la complicité, l'affinité. Je pense qu'il peut y avoir aussi une. Comment dire on a la reine de coupe ici. Il y a vraiment cette notion maternante aussi. En fait, vous allez vous sentir énormément à l'aise. C'est très spirituel en fait. La connexion à l'autre, elle va être très spirituelle. Elle va peut-être pas être physique au premier abord. Mais je pense que vous ne serez quand même pas indifférent à l'autre, à la façon dont elle s'habille, à la façon dont la façon dont elle s'apprête, l'autre personne. Mais vous allez surtout énormément apprécier son esprit, en fait. Son esprit, sa personnalité, son âme, en fait. Son âme. Ouais, avec la mort ici, c'est son âme, en fait. C'est vraiment ça, son âme, en fait. La sensibilité de l'autre, la façon dont elle. La façon dont elle donne avec la reine de coupe ici, la façon dont elle reçoit aussi va vous plaire chez l'autre. Il y a un peu une dynamique comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que l'autre va apprécier chez vous? J'ai l'impression que l'autre va apprécier chez vous votre détermination ou votre côté je sais ce que je veux. Voilà, on a un peu une dynamique comme ça. Je sais ce que je veux, je sais d'où je viens, qui je suis, voyez, un peu ce truc comme ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui va énormément attirer l'autre personne.
Il y a aussi ce côté très, très rassurant chez vous que l'autre va énormément apprécier. Où la personne va sentir qu'elle peut se reposer sur vous. Peut-être même sur le plan matériel ou en tous les cas, c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un peut-être de rassurant ou rassurante. Mais j'ai l'impression que voilà, cette personne elle va se dire ouf, ça fait du bien, quelqu'un comme ça, voilà, enfin je sais pas, quelqu'un de fort, hein, ou de forte. J'ai vraiment ce ressenti. Et puis vraiment, cette personne va se sentir en confiance immédiatement. Et vous aussi, voilà, de toute façon. Mais il y a ce truc aussi peut-être de entre vous deux, ce qui va résonner aussi, c'est que vous avez l'impression de déjà vous connaître, peut-être d'une vie antérieure où il y a un truc comme ça. Vous avez l'impression que vous vous connaissiez déjà. Puis y avoir un truc aussi assez fort comme ça, mais c'est très très spirituel. C'est très relié à l'âme déjà, et c'est surtout ben, l'âme de l'autre qui va énormément vous attirer. Donc il risque d'y avoir beaucoup de signes de synchronicité reliés à ça. Il risque d'y avoir beaucoup d'alignement et de guérison aussi, parce que là c'est l'âme du coup hein, qui connecte à l'autre âme, donc ça va forcément faire des choses assez spirituelles du coup. Ça va créer de la magie quoi en fait. Vous voyez, l'âme qui agit, ça crée de la magie. Donc ouh les amis, je viens de voir une carte, le cœur. Oh waouh! Alors les amis, c'est incroyable. Vous avez les deux cœurs du jeu quoi. Hein, donc là vous. Là, alors, il y aura attraction mutuelle dès le départ. Les deux cœurs qui se connectent, le cœur sacré avec le pape et la papesse, quand même, c'est assez incroyable. La bonne étoile, c'est tout ce que vous avez toujours voulu. Voilà, c'est ce que vous attendez depuis toujours, en fait. C'est incroyable, par contre, là. Alors là, vous vous sentez béni, en fait, hein, avec cette rencontre. Dès la rencontre, ouais, je pense qu'il y a un truc de ouf qui peut se passer avec cette personne. Ça s'enflamme, quoi. L'étincelle, elle est là. Le cœur, il est là. Enfin, l'amour, il est là. Dès le début. Dès le début, c'est l'amour fou, en fait. C'est l'amour fou, c'est l'amour immédiat. C'est. Voilà. Et puis là, la bonne étoile, quoi. C'est. Vous êtes en plus extrêmement guidé dans cette relation, hein. Il y a. Vous prêtez énormément attention aux signes, aux messages de l'univers, aux messages des guides, aux messages de la nature. Enfin, vous allez être extrêmement guidé dans cette relation, hein. Elle est incroyable. Là, déjà, c'est oufissime. Ok. Alors, on va aller voir un peu comment on va approfondir la relation. Du coup. Comment ça va évoluer? Donc, parce que bon, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais que vous n'êtes pas encore. Peut-être que vous êtes au stade de la rencontre, mais vous n'êtes pas encore au stade ben, de la relation, on va dire, de l'officialisation. Mais je pense que, oula, vous pouvez officialiser assez rapidement. J'ai l'impression avec cette personne, ça peut s'officialiser un peu vite. En tout cas, dès le départ, il y aura beaucoup d'effervescence. Il y aura beaucoup d'amour, de crazy in love dès le départ. Après, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir vous engager tout de suite, hein, mais beaucoup d'espoir dans cette histoire, hein. Vous allez vous y croire à donf, j'ai l'impression. Alors, là, on va voir comment sera la relation, hein. Comment sera la relation? Peut être sur une âme sœur quand même ici. Quatre de coupe. Ouh. Alors. Oh, bah alors, déjà 4, 4 de la stabilité. Hein. Énormément de stabilité dans cette relation. Hein. Très, très stable, très famille. Hein. Très famille, très stable. 2 de coup, 2 de denier. On est dans. Alors, il y a deux trucs. Il y a cette dynamique vraiment de partenariat. Voilà. Enfin, on est vraiment on partage quoi. On partage, on collabore ensemble et puis on crée ensemble. Voilà, c'est vraiment là vous êtes ensemble quoi, une équipe quoi. Vous êtes vraiment une team, vous êtes vraiment une équipe. C'est vraiment dans cette dynamique. Mais en même temps, et puis c'est vraiment dans le but de la stabilité, du foyer, etc. Vous êtes vraiment dans cette dynamique. Mais ce que je peux ressentir aussi, c'est que peut-être au début, on va voir si ça va être longtemps comme ça ou pas, mais au début, il va y avoir des déceptions. Vous allez. Ouais. Ouh, la 10 de denier, c'est quand même bien parti, hein. On a deux fois la 10 de denier avec vous. Donc ici, c'est la fondation d'une famille.
la famille, la maison, le chien, les enfants, les descendants, tout ça. Enfin, vraiment, c'est la construction d'une famille quand même, hein, ici. Mais il peut y avoir cette notion de déception. Peut-être parce qu'il y a, dès le départ, peut-être au début, ça va peut-être un peu. Il y aura. Alors, les sentiments, ils seront là dès le départ, mais par contre, j'ai l'impression que il va y avoir peut-être de l'attente, de l'illusion, de l'attente au début, enfin une peur peut-être de s'illusionner. Une insatisfaction. Alors peut-être parce que justement, on a vu qu'il y aurait des blocages, donc dès le départ. Donc peut-être que dès le départ, vous allez peut-être ne pas y croire ou vite déchanter en vous disant non, non, mais de toute façon, non, c'est pas possible et tout. Le magicien. Ouais, alors vraiment, cette relation, quand elle va s'approfondir, vous aurez vraiment le pouvoir dans cette relation. Enfin, vous aurez le pouvoir, pas sur l'autre, hein, mais tous les deux, ou toutes les deux, vous serez vraiment dans le power. Voilà, vous aurez le pouvoir de votre vie, vous serez libre en fait. Il y a une notion de liberté, une connexion aussi avec l'au-delà, avec l'invisible, avec l'âme, qui sera très 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 fort, vraiment, avec cette personne. Vous vous laisserez pas marcher sur les pieds par rapport aux autres, tout ça. Vous allez créer quoi. Il y a vraiment cette notion de je crée, on crée, nous créons. Bon allez, c'est bon. Ouais, bon, vous, votre relation là, elle est très très bien partie là. Enfin, si c'est le début, ouais, il y a le mariage ici. Le mariage, le foyer heureux, harmonieux. Voilà. Mais il va y avoir au début beaucoup de. Il peut y avoir de l'hésitation. Au début, il va y avoir un truc qui va en flottement, qui va rester en flottement. Mais alors après c'est la fiesta quoi. Après c'est la fiesta, c'est le bonheur à deux. C'est le bonheur à deux. Franchement et puis là, on construit, hein. On construit, ça construit, ça construit des choses ensemble, potentiellement une famille, voilà. Mais ça c'est clair quoi. Ça c'est clair. Après ça se débloque. Mais il va y avoir un blocage quand même. Ici je le sens ce blocage. Donc là on va voir justement. Je voulais voir si c'était. Je m'étais dit, on va poser un peu la question. Est-ce que c'est pour une nuit ou est-ce que c'est pour la vie? Vous voyez, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut durer, etc. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Oh! My goodness! Lâchez prise! Waouh! C'est l'amour de votre vie, l'amour véritable. Bon, ben, écoutez, les amis, ça c'est clair. Hein. C'est incroyable! C'est incroyable. Là, on est sur le fait d'avoir trouvé vraiment le bon deal, quoi. On a trouvé la bonne personne. Ça sera authentique. Ça sera authentique avec cette personne. Donc, lâchez prise, parce que ouais, il va y avoir du stress quand même, hein, par rapport à cette situation. Il va y avoir du stress. Il va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. Mon Dieu, ça faisait un moment que je n'avais pas chanté ça. Alors, on va continuer. Tiens, on va aller voir un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Leader, ouais, il y a vraiment cette notion de prendre les choses en main. Cette relation, elle va vous aider à prendre les choses en main. Vous allez devoir être le leader de votre vie, vous personnellement, pour cette relation, elle puisse se faire, se mettre en place, renaître. Ouais, vraiment, vous allez être vraiment changé, transformé avec cette personne. C'est vraiment une relation qui va vous transformer, littéralement. Voilà, une relation qui vous transforme. C'est incroyable. L'éveil, ouais, ça vous éveille, ça vous transforme. Voilà, ça peut être encore une fois quelqu'un que vous rencontrez en plein éveil spirituel ou alors c'est l'autre personne, je sais pas, mais peut y avoir cette notion d'enfant aussi avec l'éveil qui ressort, mais vraiment l'éveil de nouveaux sentiments, d'un sentiment fort qu'on n'avait jamais ressenti avant aussi. Ça peut être cette dynamique. Ok, on va continuer. Ah ouais, avec les lettres. Let's go! Qu'est-ce qu'on a comme lettre? On a le I. Le O. Alors, bien évidemment, c'est pas obligatoire. Hein. Le J. Le I, bah, décidément. Le lion est mort ce soir.
Le P, le F, le H, voilà. Donc ça peut être vos initiales, les initiales de l'autre. Voilà, vous prenez. Là, je ne vais pas faire de combinaison de mots, mais c'est juste pour les prénoms, nom de famille. Voilà. Pour que voilà, ça puisse résonner. En tout cas, le I, il ressort pas mal, hein. Donc voilà pour les lettres. Ensuite, on va continuer. Pour avoir plus d'informations vraiment sur cette histoire. Alors, ici on peut avoir encore une fois. Ah, ça peut être que dès le départ, il peut y avoir un petit non-dit, un petit mensonge, un petit non-dit, notamment de la personne qui est prisonnière là d'une situation. Donc cette personne ne dit pas tout dès le début, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui, au début, qui va pas. Enfin, c'est pas que cette personne va être malhonnête, enfin, va vous faire du mal, mais c'est que cette personne ne va pas vouloir tout de suite dévoiler certaines choses. Voilà, pas tout de suite, quoi. Ouais, on voit alors, on voit qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment deux personnes qui sont assez fortes, assez puissantes, assez fortes, qui ont quand même peut-être un peu une barricade. Il peut y avoir cette dynamique, une carapace, quoi, un peu. Mais on a un tempérament de guerrier et de guerrière, quand même, qui ressort beaucoup, des deux côtés, hein. Alors ici on a le chemin, donc c'est vraiment un tout nouveau chemin hein, entre vous deux. C'est vous allez faire un long chemin ensemble aussi. Hein. Ça peut être cette dynamique, hein, vraiment un long long chemin ensemble sur le chemin. Je vous vois, en fait j'ai l'impression de voir deux personnes qui se tiennent la main, qui avancent sur le chemin. C'est plutôt quand même de façon générale, ça va être une histoire très harmonieuse. Je vois pas une histoire, vous savez, de bah, toxique, enfin, de toute façon, on le voit bien ici, mais voilà, il va pas y avoir de toxicité vraiment forte, il va pas y avoir de combat l'un contre l'autre, de domination, de trahison, de. Moi, je vois, il va pas se passer grand-chose de négatif avec cette personne. Il y aura juste le fait qu'au début, ce sera pas clair parce que. Pour moi, il y aura une personne qui sera pas totalement libre au début ou qui sera pas libre, je sais pas, il y aura un truc dans le style. Ok. Il y a encore cette notion ici, on voit le soleil qui se couche. Enfin, je dirais j'ai pensé tout de suite au soleil qui se couche. Donc, ça peut être encore cette notion de soir. Vous rencontrez cette personne le soir, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le cœur encore. Décidément, hein, il y a beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour. Que du positif, vraiment, de l'amour entre vous. Hein. C'est l'amour au premier regard. Regardez-moi ça. Vous allez être très attachés l'un à l'autre. Très connectés. Très attachés l'un à l'autre. Vraiment comme cul et chemise ici. Hein. Regardez, au point où vous allez vous enfermer tous les deux. Non, 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 mais là vraiment, on me. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même la clé, regardez, ça c'est intéressant. Parce qu'on a la clé justement des menottes. Donc, moi j'ai l'impression que justement, comme on avait la clé, on a encore la clé. Et qu'on a eu la clé aussi, peut-être tout à l'heure, je sais plus. Je me rappelle plus. On a eu la clé? Pourquoi j'ai pensé à. Est-ce qu'on a eu la clé? Non, peut-être pas. Pourquoi j'ai pensé à la clé? Ah non, peut-être pas en fait. Ben. En tout cas, on a deux fois la clé. Et j'ai l'impression que, vous voyez, c'est encore cette notion. Ah, c'est parce qu'il y avait les oiseaux, ça me fait penser à la liberté. Donc, on a cette notion de liberté, en fait. On doit se déchaîner, hein, on doit s'enlever vraiment d'une prison, d'un enfermement, pour pouvoir se mettre ensemble. Voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir s'unir. J'ai l'impression qu'autant d'un côté que de l'autre, vous serez quand même un peu prisonnier d'une situation. Attaché à quelque chose et vous vous sentirez pas libre, vous vous sentirez malheureux de cette situation. Et en fait, la rencontre, peut-être, va permettre de vous aider à vous libérer. Parce que là, on a quand même les deux clés, donc j'ai l'impression que c'est quand même les deux qui ont besoin de se libérer. Ensuite, only your. Ah non, on your dreams. C'est quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez toujours rêvé, comme je disais, quelque chose que vous avez toujours voulu, toujours rêvé. Plus ou moins, voyez, en fonction des phases de votre vie. Mais enfin, c'est quand même quelque chose, dites, waouh,
Je suis bénie quand même hein, dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous allez rêver l'un de l'autre. Vous allez. Voilà. Cette personne apparaîtra dans vos rêves. On a le téléphone! Waouh! Donc, vous allez vous téléphoner. Les choses vont se faire par téléphone, peut-être au début. Hein, parce que bon, après, si vous faites votre relation par téléphone, ça va peut-être possible. Hein, mais au début, voilà, il y a cette dynamique. Ici, on a quoi? On a la musique, je pense. Donc, peut-être aussi, vous allez. Peut-être il y en a un des deux qui est musicien, ou que vous allez aussi avoir les mêmes goûts musicaux. Vous allez échanger avec la musique, avec le chant, je sais pas, les instruments de musique. Il y aura des choses peut-être en lien avec ça. Mais ça peut être quelque chose aussi que vous créez plus tard dans la relation. Vraiment une forte connexion à la musique entre vous deux. Et ici, on a la petite fleur. Encore, on a des fleurs. Non, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Si, il y avait déjà beaucoup de fleurs. Hein. Donc, beaucoup de sensibilité. Quand même, très sensible. J'ai l'impression que ça va être un peu la beauté de l'autre. Très sensible à la beauté de l'autre. Autant d'un côté que de l'autre. Voyez? Genre, vraiment être sensible à l'autre, sa beauté intérieure et extérieure. Et se dire, waouh, ouais, cette personne est une perle. Cette personne, elle est belle. Elle est lumineuse, cette personne, elle. Voilà, vous voyez, c'est très doux, c'est. Oh là là, là, je ressens les énergies, c'est ouf. Donc, on adore les vibes. Donc, voilà. Voilà un peu, enfin bon, bref, ça confirme, enfin, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire, mais on va quand même terminer ici avec des conseils. On va avoir quand même plus d'infos. Ils ont dit que la limite, c'était le ciel. Donc, il va falloir quand même créer un boost dans la relation pour que ça puisse aussi se faire, j'ai l'impression. Parce qu'il y aura quand même un blocage matériel ou des blocages matériels ou émotionnels. Enfin, je sais pas. Il y aura un truc qui va bloquer. Il y a encore ça qui me parle. Et il va falloir, à un moment donné, mettre un coup de... Vous voyez? Pour que ça puisse... Peut-être parce que tous les deux... Toutes les deux, vous allez avoir... Peut-être qu'il n'y en a aucun des deux qui va se lancer, vous voyez? Il peut y avoir aussi un peu ce truc. Le destin te promet tout. Ah non, mais c'est incroyable. Hein. Donc, ouais. Tout est permis avec cette... Enfin, tout est permis avec cette personne. Avec cette personne, tout est possible, quoi. Hein, clairement. En tout cas, dans le fait de fonder une famille, un foyer, d'évoluer ensemble aussi, quand même. Le 4 de bâton, c'est quand même... on partage pas que une famille ensemble, on partage aussi peut-être une mission de vie, une carrière, une évolution, une élévation de vie. On partage l'âme en fait, on partage tout, on partage la vie, on partage pas juste des trucs matériels, voilà quoi. C'est pas juste ça, c'est vraiment en globalité quoi. Tout est réuni quoi en fait, hein. C'est assez incroyable, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Ah voilà, si tu n'y vas pas, si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. Voilà, donc c'est ça. Le truc qui va un peu... Hein, la super lune. Il y aura une super lune ici qui va vous aider, une pleine lune. Peut-être rencontre lors d'une pleine lune. Les planètes, l'astrologie, tout s'aligne. Ça va être un timing divin. Quand vous allez vous rencontrer, il y aura quand même quelque chose de spécial sur le plan astrologique. Donc peut-être une super lune, une pleine lune, ici qui va être significative. Et puis ça me fait encore penser, ouais, de l'amour dans l'air. Hein. Ouh, mais j'adore, vraiment, ce tirage, il est ouf, les gars. Et donc, il y aura cette dynamique. Et après, faudra y aller, quoi. Faudra se lancer. Je sais pas, hein, faudra... À un moment donné, il faudra le... Voilà, faudra, je sais pas, j'ai pas les mots, je sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, peut-être que vous aurez du mal à avoir les mots pour... voilà, ou l'autre aura du mal à trouver les mots, je sais pas. Ok. Après, il faut laisser un peu de mystère, hein, je vais pas vous dire non plus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va aller un peu plus voir les anges, ce qu'ils veulent vous dire. Quels sont les conseils des anges? Il y a une carte de grands changements positifs. Vraiment, cette rencontre, elle va générer en plus de ça d'énormes changements dans votre vie. Et vous allez pardonner beaucoup plus, d'accord? Vous allez pardonner le passé, vous allez recevoir l'abondance. Amour romantique! My God! J'attends! Ah, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique, c'est magnifique. Alors. Que vous l'avez déjà rencontré ou pas? Oula! On a un non. Qu'est-ce qu'on a? Non?
Oula, on se calme. Non peu probable. C'est quoi ce non probable? Oui. Attendez. J'ai l'impression que ce nom, en fait, là, parce que j'ai posé la question, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, mais j'étais pas convaincue. J'ai l'impression, là, j'ai senti un truc assez agressif et peu probable. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un des deux qui va bloquer, ou il y a quelqu'un qui va pas... Enfin, comment dire, il y a quelqu'un... il y a un truc extérieur qui va faire que ça va... Comme si... ouais, ça va bloquer, en fait. C'est peut-être vous aussi, ou les deux à l'intérieur d'eux, qui vont dire oh, « Non, non, de toute façon, c'est pas possible avec cette personne, etc. » Puis finalement, il y a un oui, après. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est, j'ai l'impression que ça, c'est ce fucking blocage entre vous, là. Si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. J'ai l'impression que... Je sais pas si la personne, elle va tout de suite se déclarer, ou vous allez... Enfin, il va y avoir... Avant que vous vous mettiez en couple, j'ai l'impression... Ah, peut-être parce que vous serez amis d'abord. Il peut y avoir cette dynamique, en fait. Donc, peut-être que dès le départ, vous allez mettre un espèce de barrage, de blocage, ou l'autre, ou les deux, qui fait que du coup, ah, ça va bloquer, en fait. Et peut-être ça va mettre un peu de temps pour se débloquer. Alors, on nous parle des prochaines semaines, hein. Donc, ça va vite. Ça va vite, dans les prochaines semaines, ici, il y aura des déblocages. Enfin, les choses vont vite, en fait. Parce qu'après, ça dépend, en fait, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Parce que je vous ai parlé de la période... ouais, en fait, période du printemps ou période de l'automne, pas mal. Ou un peu de l'hiver aussi, quand même. De l'hiver. Dans les prochaines semaines, pour moi, ça veut dire que quand même, les choses entre vous, à partir du moment où vous allez vous rencontrer, vont évoluer assez rapidement. Voyez, quand même, ça va aller vite. Hein. Dans les prochaines semaines, ça va évoluer. Voilà, peut-être... ouais, vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Enfin, je sais pas. Après, je vais pas vous mettre de... Je vais pas vous dire de bêtises. Je vais pas vous dire de timing ou quoi. Mais voilà, un peu la dynamique, quoi. Alors, on va terminer. Attendez, je suis avec quoi? Avec ça. Je vais faire avec mon oracle. Après, bon, pour moi, je pense que là, quand même, il y a... Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà, donc il va falloir laisser faire l'univers. Non pas forcément que par rapport à la relation, mais aussi par rapport à votre vie en général. Parce qu'on rappelle, le pape, la papesse, avec cette personne, il y a aussi une évolution spirituelle qui est en jeu. Et la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc il va falloir vraiment, avec l'idée du magicien, tout ça, il va vraiment falloir voir les choses du point de vue de l'âme, du point de vue de l'esprit, plutôt que de l'ego, de l'humain. Il va falloir vraiment avoir un esprit ouvert. Et pour que les choses puissent se faire aussi, peut-être, il va falloir vraiment croire. En fait, il va falloir que vous croyiez quand même en l'amour véritable, en peut-être en Dieu, en l'univers, en la source, hein, puisqu'on a le pape et la papesse. Vous allez avoir besoin de croire en la magie aussi de la vie, parce que beaucoup de choses vont se faire aussi par synchronicité, par le truc un peu de pas de hasard. Donc, il va falloir croire en ça et croire en vous, peut-être aussi. Dans cette relation, possibilité. Ouais, c'est vraiment possible. On vous dit que c'est vraiment possible avec cette personne. Et que si les choses ne se font pas avec cette personne, c'est parce que c'est vous qui avez fermé les portes ou c'est l'autre. Mais c'est vraiment le côté humain et c'est pas la vérité, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique. Voilà, les amis. Donc, j'espère vraiment que ce tirage aura... Ah, attendez, j'ai pas fini. Il restait deux conseils, là. Punaise. Ah, décision. Voilà, il va falloir prendre une décision. Il y a une décision importante qui va être prise par rapport à cette situation. Et on a Lion, Bélier ou Sagittaire qui ressort. Mais là, pour moi, je vois une forte passion, en fait. Le feu qui... Voilà, l'étincelle, le feu sacré. Fort nouveau départ. Et j'ai l'impression que là, c'est vraiment le conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Vous allez devoir prendre une décision importante. Peut-être notamment par rapport à la carrière, puisqu'on a l'énergie du feu. Par rapport à votre créativité, par rapport peut-être aussi à votre santé, votre vitalité, mais voilà, c'est des décisions importantes que vous devez prendre qui vont changer peut-être même le cours de votre vie. Vous voyez, il y a cette dynamique parce que vraiment il y a des changements importants qui sont reliés à cette rencontre.
Voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage aura résonné avec vous. Surtout, je vous attends en commentaire les gars. Je vous fais de gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous et puis à très bientôt. Ciao! Les amis, c'est parti, on y va pour le choix numéro 2 de la plume jaune. C'est parti pour vous, pour votre prochaine grande histoire d'amour qui a peut-être déjà commencé. À vous d'interpréter aussi de votre côté. Puisque ça reste général, les amis, je vous le rappelle. Alors, donc ça, ça va là. Ça, ça. Hop, 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 hop. Toc, toc. Et toc. Alors, on commence ici tout de suite. Hein. On ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Le chapeau. Le chapeau qui peut être significatif. Le chocolat. Ouh. Et le couteau. Oula. Alors, avec cette personne, je veux que tu me rendes... Pardon, oula. Oula là 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 là. J'ai failli m'étouffer. Je veux que tu me rendes mon amour. On a de la possessivité dès le départ. Je souhaite que notre amour dure. On a quelqu'un d'assez possessif là déjà. Enfin, je sens de la possessivité dans le couple. Hein. On ne doit jamais accepter qu'un ami nous offre un couteau. Nanana. Ouais, d'accord, ok. Bon. Cette histoire. On va aller plus loin. On va aller voir là parce que... Les chouettes, l'anneau, le trèfle, le vaisseau, la dame. Alors, cette histoire, cette prochaine grande histoire, ou histoire actuelle. Ça peut être l'histoire que vous vivez actuellement. Je rappelle, hein, le futur, il est entre parenthèses, parce que pour certains, c'est pour les célibataires, etc., c'est pour l'avenir. Mais pour certains, c'est vraiment ce que vous vivez actuellement. Donc ça, vous prenez pour vous ce qui résonne. J'ai un peu l'impression que ça, c'est quelque chose que vous, pour beaucoup que vous vivez actuellement. Hein, mais bon, ça, c'est mon ressenti personnel. On a beaucoup de stress d'anxiété, je dirais. Beaucoup d'anxiété dans cette histoire. De l'attente aussi. De l'attente, de l'anxiété et de l'enfermement. Il y a pu même avoir une trahison ou quelque chose qui a été cassé, quoi, brisé. On a une blessure aussi. Il y a eu une blessure dans cette histoire. Donc déjà, au niveau, ça c'est les premiers trucs qui me viennent comme ça, hein, déjà. Alors, on voit que déjà, l'un et l'autre, vous vous êtes vus comme une opportunité. Mais alors c'est assez intéressant parce que peut-être juste c'était une opportunité, mais c'était peut-être pas quelqu'un, ou ça sera peut-être pas quelqu'un, hein, puisque bon, pour certains ça peut être l'avenir, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir, vous allez... En tout cas, sentir que c'est une opportunité, mais je sais pas. Je sens que vous allez avoir aussi de la clairvoyance dans cette rencontre et que vous allez vous dire... Alors là aussi, il y aura des communications très profondes. J'ai l'impression dès le départ. Vous allez parler de choses très profondes quand vous allez vous rencontrer. Il y a un côté assez direct avec les chouettes, assez direct, assez cash. On va pas par quatre chemins, c'est tout de suite ou jamais. Il y a un peu un truc comme ça. Donc déjà, bon, c'est un peu stressant, hein, cette histoire. Mais, enfin, c'est un peu stressant. C'est pas une relation où vous allez prendre votre temps. C'est une relation peut-être très passionnelle. Beaucoup de passion dans cette histoire. Il peut y avoir même un engagement très rapide, puisque l'anneau, il arrive presque tout de suite. Quoi. On discute, on se met ensemble. Puis voilà. Là, on voit qu'il y a de la chance quand même dans votre histoire. Il y a de la chance, de l'opportunité, il y a de la beauté, il y a du bonheur quand même. Vous allez vivre de beaux moments de bonheur ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation dans votre histoire. Une séparation peut-être définitive ou pas, ça vous verrez. Mais je sens une séparation qui peut venir de la femme si jamais... c'est homme-femme quoi. Après ça peut être femme-femme, mais la personne la plus féminine peut-être, la personne la plus sensible peut-être par exemple. Donc là vraiment on a cette énergie où il va y avoir tout de suite, je ressens en fait que déjà dans quand là je voudrais juste parler de la rencontre, mais en fait j'ai l'impression qu'on me parle déjà de l'histoire, donc ça veut dire que l'histoire elle démarre très vite entre vous. Ça se fait direct. Mais on sent aussi que il va y avoir quand même de la distance. Il va y avoir... En fait, j'ai l'impression que les moments de bonheur, ils vont être un peu rares. Peut-être parce que justement, vous êtes à distance. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Alors, pour certains, ça peut être aussi une histoire qui est un peu cachée.
une histoire qui n'est pas révélée. Peut-être parce que l'autre est marié, l'autre est en couple, alors c'est un peu quelque chose qui n'est pas très sain, hein, de base, de toute façon. Mais quelqu'un qui... Ouais, il peut y avoir que y a une personne, elle est engagée ailleurs, ou que... Ouais, je sais pas. Il peut y avoir un truc comme ça. Mais l'autre le sait, hein. C'est pas caché, justement. C'est que justement, là, c'est une rencontre qui se fait de façon très intuitive, j'ai l'impression. De façon très passionnelle, je dirais plutôt qu'intuitive. Très, très passionnelle, en fait. Ça remue, quoi. Ça remue beaucoup, par contre, sur le plan émotionnel, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a quand même un peu, on se fait du mal, quand même. Qu'on le veuille ou non, on se fait quand même du mal. Mais c'est quelque chose que vous avez à vivre, ou que vous devez vivre, ou que vous avez dû vivre. Voyez, j'ai l'impression que c'était quand même, avec le trèfle quand même, on rappelle, c'est quelque chose que vous deviez, qui commune quand même une chance dans votre vie. Donc c'est quand même quelque chose qui devait se faire, j'ai l'impression. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous allez vous comprendre aussi dans vos difficultés. C'est-à-dire, peut-être vous vivez aussi des difficultés similaires, et vous allez vous comprendre par rapport à ça. Mais on voit quand même que ça va être un peu compliqué à mettre en place. Ça va être compliqué à mettre en place. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, une distance géographique. Ouais, du coup, il va y avoir des déplacements. Il va falloir se déplacer pour voir l'autre, etc. Mais c'est lourd. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que c'est lourd. C'est pas léger. C'est pas un truc. Parce que soit c'est caché, soit on le fait parce que. On est contraint, il y a des contraintes. Il y a des contraintes dès le départ, mais il y a de la passion, il y a aussi le côté un peu caché, quoi. C'est un peu une gourmandise comment dire, avec le chapeau, on se cache avec un chapeau, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu ce truc, je ressens ça. Puis il y a de la possessivité aussi, peut-être l'attirance sexuelle aussi qui va être très forte peut-être entre vous deux, mais je ressens que c'est... Ça va être... C'est un peu un truc qu'on fait, ouais, en cachette, ou que... C'est un peu non avoué, quoi. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça, quoi. Limite, s'il n'y en a pas un peu honte, ou je sais pas. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a aussi. Bon, après, voilà, ça reste général, mais moi, je vous dis les ressentis. Il faut que ça résonne. Là, de toute façon, là, vous devez sentir si ça résonne ou pas. J'arrête pas d'avoir cette bague. Alors, l'annulaire droit, je pense que c'est la bague de mariage. Ou de fiançailles. Non, c'est celle de fiançailles, du coup. Pas de mariage. Mariage, c'est là. Donc, enfin, bref. Donc, enfin, je sais pas. Je suis pas sûre. Vous me direz en commentaire. Mais, du coup... La fille qui est trop au courant des traditions, quoi. du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez, il y a l'engagement, il bloque. Vous voyez, ça, on n'arrive pas à s'engager ensemble. Ou alors, l'un est engagé ailleurs, quoi. Il y a un truc comme ça. L'un ou l'autre. Alors, on va continuer. On va aller voir justement avec l'autre pour avoir plus d'infos là sur ce qui se passe. On a l'encre. On a les oiseaux. Alors ouais, il y a beaucoup de fougue. On a l'étoile, ouais, il y a ce côté chance. Cette personne est comme un espoir, une chance sur notre chemin. On a la lettre. Donc pour moi, il y a une communication à distance ici. Et on a la bague. Ouais, donc... Alors, au niveau de la rencontre, les amis. Pour moi, ici, je ne sais pas pourquoi, je le vois comme quelque chose qui... C'est l'engagement, pour moi, il va être... soit il va se faire, mais au bout de très longtemps. Ça va être très long avant que vous puissiez vous engager ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, vraiment, c'est l'engagement, peut-être même, ne se fera pas parce que... Pour certains, je pense que ça se fera pas. Pour d'autres, ça sera vraiment dans longtemps, quoi. Vous voyez? J'ai un peu ce sentiment, quoi. C'est un peu utopique. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée, les amis, s'il y a du bruit. Je me rends compte qu'il y a du bruit dehors. J'espère que ça va pas vous... C'est marrant, quand même. Il y a les tambours. Il y a les tambours qui sont là, pile au moment de votre guidance. Donc... Mais c'est quoi? Manifestation, là? Il se passe un truc. Donc là, les amis, j'ai l'impression que il y aura beaucoup de communication quand même à distance, mais qui sera vraiment contrainte
parce que j'ai l'impression que parce que vous ne serez pas libre ici avec l'encre, j'ai l'impression que vous serez bloqué en fait. Voyez, l'un est à un endroit, l'autre est à l'autre, et on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas, on peut pas, et on peut pas, et peut-être même qu'on n'a pas le droit. Parce que on voit peut-être quelqu'un qui est déjà engagé quelque part. Donc, avant que ça puisse aller vers un engagement, ça risque d'être long. J'ai un peu ce ressenti. Pour certains, j'ai un peu un sentiment de peut-être amour un peu. Alors, peut-être un peu amour interdit, amour impossible. Ça ressort beaucoup. Mais aussi, peut-être que vous n'avez jamais été vraiment. En couple, engagé dans une relation, voyez, et un peu premier amour peut-être, ou première passion, première grosse passion qui risque, je pense, d'être un peu destructive. Bon, désolé les amis, on est au Pays Basque, donc forcément ici ça chante et ça tape sur des tambours. je suis désolée s'il y a du bruit en fond là, mais c'est pour dire, hein, c'est pour dire comme ça va être, hein, c'est mouvementé, quoi. C'est mouvementé, c'est très fort en fait. Moi, je pense que c'est très fort, très 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 fort, peut-être même trop fort entre vous. Voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un truc significatif avec les lettres. Vous allez vous écrire une lettre peut-être au moment de la rencontre, voyez? Il va y avoir une lettre qui va être significative pendant la rencontre, vraiment une lettre écrite, quoi. Peut-être un mail. Peut-être que vous allez démarrer par mail. Ou peut-être par lettre postale. Bon, ça, j'ai plus de doutes aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas? Mais vu qu'il y a cette notion de distance, c'est possible qu'on communique par quelque chose d'un peu plus officiel que peut-être les réseaux ou SMS. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette situation, dans cette relation, et peu de concrétisation, en tout cas au début. Après, ça peut évoluer, ça peut évoluer. Mais si ça évolue, ça mettra du temps, ou alors il y aura une séparation, il y aura une distance pendant un temps entre vous qui va durer un moment. Il y aura de la distance. Ça ne sera pas la relation la plus simple, la plus évidente. Je vous le dis honnêtement. Enfin, voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis, il faut que vous aussi, vous le ressentiez, les amis. Hein. Alors, on va aller voir un peu. Attendez, je ne sais plus ce que je dois faire. Ah oui. Les signes astro. Oh! Mais décidément, c'est les mêmes qui ressortent. Poisson. Cancer. Bélier et Balance. Poisson, Cancer, Bélier, Balance. Alors ça peut être, voilà, vos signes astro, les signes astro de l'autre, comment dire, des signes qui ressortent pas mal dans votre thème astral. Voilà. Donc on a cette dynamique. Donc on a quand même des personnes assez créatives, très très créatives quand même, hein. Beaucoup de créativité, une part artistique qui ressort. Ouais, le côté artistique qui ressort pas mal. Et il y a quoi d'autre? Le côté un peu quand même, ouais, il peut y avoir du coup, vous savez, un peu de contradiction quand même entre les. D'opposition. Opposition, contradiction, difficulté quand même à s'entendre. C'est pas les plus harmonieux, vous voyez, Bélier, Cancer. Balance, Poisson, c'est des opposés qui peuvent être complémentaires. Mais bon, Poisson, Bélier, c'est pas le top du top, voyez? Donc ça peut être un peu compliqué aussi parfois de se comprendre, de s'entendre. C'est pas évident, forcément, hein, de s'entendre, quand même. Mais ça va être l'attraction chimique entre vous qui va primer, je pense. Ou, je sais pas, un truc qui est assez passionnel, qui est assez fort. Ok. Ensuite, donc, on va voir le contexte un peu, justement, de la rencontre, la période, qu'est-ce qu'on a? Alors, ben, on a le carré, vous voyez, donc il peut y avoir des oppositions entre vous, hein. Une difficulté à se comprendre.
Vraiment, il va falloir un peu il va falloir communiquer pour se comprendre. Ça va pas être évident au premier truc, vous voyez? Il y a un challenge aussi, hein, dans cette situation, il y a un challenge. Je pense que vous avez quand même des comportements qui seront assez différents. Je pense qu'il y en aura un des deux qui sera beaucoup plus attaché, voire même dépendant émotionnellement, que l'autre qui sera beaucoup plus... ouais, dans un tempérament beaucoup plus libre, en fait, tout simplement. Moins attaché sur le plan sentimental. Alors qu'il y en a un autre, l'un des deux sera, pardon, très attaché sur le plan sentimental. Mais c'est la nature qui, comme ça, en fait, vous voyez, c'est pas... mais il y aura un peu ce truc-là qui va créer peut-être un peu des difficultés. On a la maison 6, alors... Ça peut être rencontre au travail, justement travail quotidien, travail alimentaire, travail habituel, quoi. Voilà, il peut y avoir cette dynamique. Dans le domaine de la santé aussi, ça ressort. Domaine de la santé, ou du service à l'autre. Santé, service à l'autre. C'est vraiment la vie quotidienne. Alors, vous rencontrez cette personne dans une période, enfin, vraiment à un moment tout à fait banal en fait, hein. C'est vraiment la vie quotidienne, peut-être votre travail, voilà, cette personne elle vient à votre travail tranquille, enfin voilà, ou vous allez au travail de l'autre, enfin c'est vraiment la vie simple, c'est pas du tout en soirée, c'est pas... ou alors c'est des soirées habituelles quoi, enfin voyez, mais c'est assez tranquille quoi, ça fait partie de votre vie quotidienne naturellement. Peut-être cette personne elle habite peut-être proche de chez vous, ou alors ça sera assez proche de chez vous quand vous allez la rencontrer. Ouais, ça c'est possible. Vous allez la rencontrer peut-être autour de chez vous, peut-être dans la même ville, le même village, voilà, à peu près le même endroit, ou proche de votre famille peut-être aussi, ou proche de votre travail. Et on a la Terre, donc voilà, très relié à la Terre. Qu'est-ce qu'on a comme... on a les signes de Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On peut avoir la période de septembre ici. On peut avoir la période de août, fin août, début septembre. Taureau, fin mars, début avril. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et Capricorne, on est sur fin décembre, début janvier. La période de la rencontre. Vous pouvez rencontrer cette personne dans la rue aussi. Vous voyez? À l'extérieur, dans la rue. Peut y avoir cette dynamique. C'est vraiment une rencontre un peu fortuite, quoi. Une rencontre un peu comme ça, mais qui n'a pas... qui n'est pas qui a pas de signe avant-coureur, j'ai l'impression. Enfin, pour l'instant, je vois pas de signe avant-coureur. Enfin, peut-être que si, peut-être que vous sentiez que ça allait arriver. Vous sentiez que ça allait arriver, mais vous attendiez pas au rendez-vous du destin. En fait, ce rendez-vous du destin, j'ai l'impression que ce rendez-vous du destin, il s'est fait vraiment, peut-être physiquement pour beaucoup. Rencontre physique, dans le physique, en fait, hein. C'est possible. On va aller plus loin pour voir. Alors, on va aller voir. J'adore. On ira voir après. On va aller voir qu'est-ce qui vous a attiré dès le départ chez l'un et chez l'autre. On a quatre cartes ici. On a le roi de coupe. On a la papesse. Oh, l'intelligence de l'autre déjà. On a le roi de denier. D'accord. Ouf, la 3 d'épée. Ouais. D'accord. Oui, il y a quand même cette notion de blessure qui ressort. Ouais, l'autre vous touche en fait, ou l'autre est touché par vous, par votre authenticité peut-être. Vous allez être, c'est le côté authentique qui va plaire à l'autre. Peut-être l'envie d'aider l'autre un peu aussi, je sais pas, de lui apporter de l'aide. Mais ce qui va, ouais, tout de suite, ce qui va enfin, vous toucher mutuellement. J'ai l'impression, c'est sentiment de sécurité affective et puis sentiment de se comprendre en fait tout de suite dans la blessure. On est pareil ou alors on ressent la même douleur, on ressent la même souffrance.
On se comprend sans se parler. Il y a un peu un truc comme ça aussi, se comprendre sans se parler. Ça va matcher dans les yeux, j'ai l'impression, avec cette personne. Le regard va être important. Vous allez vous regarder profondément et ça va vous troubler. Le regard qui peut troubler. Beaucoup. Et j'ai l'impression qu'au début, il n'y aura pas forcément des sentiments amoureux dès le départ. J'ai l'impression que ça sera plus... Que cette personne, en fait, c'est assez mystérieux et ça va vous attirer. C'est le mystère qui va vous attirer. C'est le charisme de l'autre qui va vous attirer. L'autre va être assez charismatique et vous aussi, en fait. Voyez? Il y a un côté charismatique qui va attirer l'autre. On a quand même le roi, roi de denier, roi de coupe, hein. Donc, c'est le mystère, c'est le charisme qui attire, qui vous attire. Et puis, ouais, l'intelligence de l'autre. L'intelligence... Ouais, c'est ça. L'intelligence de l'autre qui va plaire, en fait, dès le départ. Ok, alors on va continuer. On a le 3 de denier, d'accord. Le magicien, on adore. Ah, et la 9 d'épée. Il y a quand même, il faut quand même, avec cette histoire-là, il va y avoir des moments de down, il va y avoir des moments de stress, de dépendance affective, je pense, d'inquiétude. On s'inquiète pour l'autre, on s'inquiète pour soi, on s'inquiète pour l'avenir du couple, on s'inquiète pour l'avenir de la relation. On tombe bas quand même un peu dans cette histoire. Mais on peut pas échapper, quoi, parce que cette histoire, elle est très... Elle vous fait monter haut, elle vous élève haut, puis elle vous fait descendre très bas aussi, hein. Il y a un peu une dynamique comme ça. Vous allez être très nerveux, nerveuse quand vous allez rencontrer cette personne. J'ai l'impression. Ce qui vous attire vraiment, c'est un peu la fragilité de l'autre, j'ai l'impression, finalement. Vous allez être attiré par la fragilité de l'autre, ou l'un plus que l'autre, hein, aussi. Il y a un peu ce côté où on veut peut-être un peu sauver l'autre, peut-être. Ou alors, il y a aussi le côté artistique et créatif de l'autre qui est intéressant. C'est l'intelligence, la façon de parler, peut-être. La façon de parler, la façon de s'exprimer, la façon de cette personne, peut-être, enfin, peut-être, vous ou l'autre, vous êtes artiste. Enfin, il y a un côté artistique et tout. Et bon, la façon dont cette personne s'exprime. Peut être significatif dans cette situation. Comment aussi la personne va prendre les choses en main aussi va énormément vous attirer chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc en fait où la personne elle va tout de suite se montrer waouh. Peut y avoir un côté où la personne elle va oser faire des trucs. Vous allez vous dire waouh, cette personne m'impressionne quoi. Il y a un côté charismatique. Elle m'impressionne, waouh, elle vient me voir, elle vient me parler par exemple, ou alors il ou elle, hein, bien sûr. Waouh, cette personne va se déplacer pour venir me voir. Waouh, voyez? Waouh, cette personne me fait ce cadeau. Enfin, il y a des choses qui vont vous impressionner. Voilà, en fait, cette personne vous impressionne. En fait, il y a beaucoup de charisme, beaucoup de charisme. Voilà, beaucoup de choses comme ça. En fait, hein. C'est très très magnétique. Hein. C'est magnétique en fait. Et quand cette personne, voilà, il y a ce côté un peu. Cette personne, voilà, vous impressionne comme ça, c'est foutu, quoi. Vous êtes pris par la passion et plus rien vous arrête. Vous voyez? Puis il y a un peu des prises de risques aussi, j'ai l'impression, hein. L'un et l'autre, vous allez prendre des risques pour l'autre et ça vous impressionne. Voilà. Donc, et ça peut durer longtemps entre vous, hein. Voilà, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même assez hard, quand même, comme histoire, hein. Enfin, je veux dire, ça rigole pas non plus, hein. Il y a quand même des trucs... Voilà, c'est pas de tout repos, cette histoire non plus, hein. Hein, voilà. Hein. Alors, on continue. On va aller voir, du coup... Qu'est-ce que je voulais aller voir? Ah oui. Hop. Comment va être la relation? Parce que ça, bon, c'est au début, hein. C'est au début, ça. Alors, on est encore que la rencontre, hein, les amis. Mais on va voir un peu la relation.
Moi, je pense que vous allez vouloir rester ensemble avec cette... Enfin, vous allez vouloir passer du temps avec cette personne. Enfin, vous allez vouloir... comment dire avoir une histoire avec cette relation... Avec cette personne, pardon. Je vais y arriver. C'est une relation qui peut durer des années, quand même. Je pense. Même si c'est passionnel, même si c'est interdit, même si je sais pas quoi. La mort. C'est un peu un truc sans fin. Hein. On se dévoile totalement à l'autre. L'autre voit nos pires failles, nos pires blessures. Avec l'autre, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas porter de masque. C'est ça qui va aussi vous... Waouh, avec l'autre. Hein. Donc, princesse de bâton. C'est... Ouais, on est sur quelque chose de passionnel, de passionné. On a la passion en nous. Ça réveille et ça éveille aussi la spiritualité quand même. Il y a cette dynamique et on voit qu'on se dévoile totalement à l'autre. L'autre n'a plus du tout de secret pour nous. Hein, ça va être très fort entre vous. L'autre sera aussi votre meilleur ami. L'autre aura tous les secrets... enfin, comment dire... Ouais, connaîtra tous vos secrets, vous connaîtra par cœur, quoi. Il y a vraiment cette dynamique. On a deux personnes qui peuvent être jeunes. Hein. On a la jeunesse, ici. Hein. Prince d'épée. Il y a la fougue, hein. La fougue, la folie presque. La fougue et la folie avec le princesse de bâton. On est un peu foufou, on prend des risques. Ça va durer longtemps, hein, ça va continuer dans la relation. Et la neuf de bâton. Ouais, là, il y a de la méfiance. Hein. On a peur que l'autre nous trompe. On a de la jalousie, de la possessivité dans cette histoire. On a la 10 de coupe. Donc, il va y avoir de grands moments de joie avec cette personne. Des grands moments de joie, moments heureux, joyeux. Il y aura de très belles choses. Mais bon, comme il y a les autres cartes, je ne peux pas vous dire que vous allez forcément fonder une famille avec cette personne. Je sens surtout qu'entre vous, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, mais c'est pas de tout repos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inconditionnel, oui, mais c'est passionnel aussi. Voilà, vous allez devoir être très très patient dans cette histoire. Il y a une notion d'éternité, une notion d'interminable, ça s'arrête jamais. Comme si, quand même, il y avait des difficultés qui persistaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez peut-être même mettre du temps à comprendre que ça peut être un peu difficile avec cette personne, par exemple. 8 de bâton, voilà, vous allez avoir... les choses vont aller vite entre vous, hein. Les choses vont aller très vite, trop vite. L'empereur, il y a quand même une notion de domination, dominant, dominé avec l'autre. Hein. Ouais, vous voyez, 3 d'épée. Relation passionnelle, peut-être un peu destructrice, hein, qui peut tendre vers le côté un peu destructeur, hein. Entre vous. Ça, c'est ça va vite. Hein. Ça va vite, vite, vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et ça part loin, vous voyez. Il y a un peu une dynamique comme ça. Il y a quand même de l'inquiétude, du stress. Ouais. Non, il y a de la dépendance aussi. De la dépendance, de l'addiction dans cette histoire. Peut-être même l'alcool, tout ça qui peut être un peu relié. Et le fait de peut-être un peu dominer l'autre, je sais pas. Ou la passion qui domine, en fait. C'est la passion qui nous domine et qui nous fait perdre tous nos moyens et qui nous fait un peu oublier notre propre liberté, quoi. Vous voyez, il y aura quand même ça qui va persister, bon sang de bonsoir. Hein. Donc, on va voir, justement. Est-ce que c'est pour une nuit ou est-ce que c'est pour la vie, entre guillemets? Parce que ce sera pas pour une nuit pour vous, parce que c'est sûr qu'il y aura plusieurs nuits, c'est sûr qu'il y aura plusieurs moments, c'est sûr, parce que vous allez vouloir insister avec cette personne. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vraiment, avec cette personne, de toute façon, vous allez vous abandonner totalement à cette personne. Peut-être c'est vous qui ferez le premier pas. Laissez partir votre ex. Peut-être pour certains, là, vraiment, vous regardez cette vidéo, enfin, vous regardez ce tirage, vous dites, ok, ça parlait de mon ex, c'est peut-être une confirmation pour certains. Et on vous dit certainement lui ou elle. Oh. Alors, vous allez être convaincu que, voilà, que c'est le ou la part... Alors, là, c'est mitigé. Hein. Pour certains, ça c'est un ex. Pour certains, ça sera un ex. Pour certains, ça va pas durer, pour certains.
Certainement, pour beaucoup, c'est vous qui ferez le premier pas, là, vous qui regardez la vidéo. Mais là, pour d'autres, oui, ça pourrait être vraiment la personne avec qui vous allez pouvoir. Ça va pouvoir durer. Mais ça va mettre du temps avant que vous puissiez vous engager ensemble. Il va y avoir vraiment de longues étapes, hein, j'ai l'impression. Ou alors que ça sera un second mariage ou une seconde union plus tard. Voyez? Un peu ce sentiment. Hein. Moi, je veux pas trop m'emballer dans cette histoire parce que il y a quand même de la lourdeur un peu. Donc bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Ça, on va aller voir ça. On va y voir après. Le héron. Ouais, il y aura quand même à un moment donné un éloignement entre vous, j'ai l'impression. Alors, c'est quoi ça? Trina Kriya. Ah mince, je sais pas ce que c'est, les amis. 11h11. Oh, 11h11. Ouais, on confirme ce côté très passionnel. Attendez. Je vais regarder cette carte là parce que vraiment, comme il est tout nouveau ce jeu. On a le 11, le 23 et le 3 qui est significatif. Ah, justement, là, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Se rappeler que l'on est, qui on est, retrouver son pouvoir. Ouais, voilà. En fait, dans cette histoire, vous allez perdre votre pouvoir intérieur quand même, hein. C'est l'emblème de la Sicile. Elle représente la méduse, la gorgone qui transforme les hommes qui la regardent en pierre. Ouais, voilà. En fait, vous allez être un peu enfermé. Et en même temps, vous aurez beaucoup d'espoir et de créativité, de fertilité. En fait, cette relation, elle va énormément vous inspirer. J'ai l'impression, vous voyez? Elle va vous inspirer, mais en même temps, elle va vous enfermer. Donc, je pense que vous aurez quand même le choix, hein, vous ferez ce que vous voulez, mais il y aura à un moment donné un éloignement, j'ai l'impression, avec cette personne, dans tous les cas, une séparation, un éloignement avec cette personne. Hein. J'ai un peu ce sentiment. Et là, 11h11, peut-être ça sera significatif pour vous. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus ce que je dois faire. Les charms. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on a un peu le fait d'être condamné, d'être enfermé. La main, donc ça nous confirme ce côté un peu de manipulation. De perdre son pouvoir. Mais on a le cadeau. C'est aussi un cadeau, cette histoire, cette relation est un cadeau. Je pense que cette histoire, elle est là vraiment pour vous faire grandir. Elle est vraiment là pour vous faire grandir. Et on a, vous voyez, la main encore avec l'énergie. Donc, il y a vraiment cette notion que vous avez le pouvoir. Vous allez, en fait, ça va être une histoire qui va vous aider à retrouver le pouvoir dans votre vie. Parce qu'on avait le magicien. On a cette dynamique. Harmonie, union. Waouh! Équilibre. Ah bah dis donc. Bah dis donc. Ouais, alors. Il va y avoir, pour moi, avec cette personne, il va y avoir quand même de grands moments Mais je sens avec cette personne, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, vous arriverez. Ça prendra du temps, hein, vraiment, mais vous arriverez vraiment à trouver l'harmonie. Hein. Pour certains, vraiment, il y a toujours un espoir, hein, je pense. Toujours une possibilité. Mais ça sera pas des plus évidents. Hein, d'accord? C'est pas une relation d'âme sœur, je trouve. Hein. C'est pas du tout âme sœur vibes. Hein, pas du tout. Alors, au niveau des lettres, on a quoi? Alors, on a le C, le R. Au niveau des prénoms, des noms de famille. Hein, C, R, K, H, G, L. Donc, vous prenez un nom, prénom, U et Q. Voilà. Donc, alors c'est marrant parce que là, j'ai vu la glu. Donc, vraiment collé, quoi. On est collé l'un à l'autre, très, très dépendant l'un de l'autre, très attiré l'un à l'autre. Il y a quand même cette dynamique qui ressort beaucoup. Donc, peut-être que pour certains, vous allez dépasser justement ce côté dépendance. Et pour d'autres, peut-être la meilleure solution, ce sera de s'éloigner. Maintenant, j'ai l'impression que même si vous vous éloignez l'un de l'autre, vous serez quand même toujours dans l'harmonie, l'équilibre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez bizarre, hein?
Mais il y a cette notion d'infini entre vous, hein. Il y a cette notion quand même de... Comme si vous allez rencontrer cette personne, c'est quand même assez puissant, parce que vous allez rencontrer cette personne. Et alors c'est vrai que vu comme ça, on pourrait dire que c'est vraiment négatif, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bénédictions cachées dans cette histoire. Parce qu'avec cette personne, je pense que vous allez gagner en sagesse, mais de façon incroyable, hein. Et je pense que vous allez... En fait, elle est là, en tout cas, cette histoire, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là par hasard. Elle est vraiment là pour que vous puissiez vraiment nettoyer quelque chose peut-être du passé, des vies antérieures, et vous faire grandir. Cette relation, elle va vous faire grandir. Et puis l'autre aussi, hein. Enfin, je veux dire, ce sera mutuel, bien évidemment. Elle va vous faire vraiment évoluer. Et c'est vraiment le but, c'est que vraiment vous puissiez... Je pense que vous savez, un peu le contrat karmique entre vous, c'est à la fin, on sera toujours unis, quoi qu'il arrive. Qu'on soit, c'est un peu ce côté amour inconditionnel, voyez? Qu'on soit en couple ou pas, on sera toujours l'un pour l'autre significatif ou unis dans le cœur ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire un peu? En fait, avec cette personne, il y aura une issue positive qui est possible malgré tout. Peut-être ensemble, vous réussirez peut-être à créer quelque chose. Peut-être. Ou alors, vous vous éloignerez parce que ça sera trop fort entre vous, honnêtement. Mais vous serez unis. Ou vous resterez amis, peut-être. Vous voyez, mais il y a un truc comme ça quand même qui ressort beaucoup. Donc, je sais pas, vous prenez ce qui résonne, hein, mais voilà, il y a cette dynamique qui ressort. Alors, les charms, enfin voyons. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On va avoir d'autres infos. The flowers. C'est marrant parce que la fleur, elle est un peu cassée, on dirait. Hein, donc, il y a quand même quelque chose qui va être brisé. Alors, vous voyez, on a quand même la dépendance là. Et ça va briser un peu le couple. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hélicoptère, ouais. C'est marrant. Alors, ça peut être un peu cette notion de le moral qui va pas bien. Avec cette personne, vous aurez le moral qui sera pas toujours au top. On a quand même de l'amour entre vous. Beaucoup d'espoir dans cet amour. Vous allez miser beaucoup d'espoir. Vous allez miser beaucoup. Et on vous dit, dans cette histoire, il y a des bénédictions qui sont cachées. Il y aura de la dépendance. Hein. Vous sentirez quand même enfermé avec cette personne. Hein. Vous y verrez quand même plus clair. Vous aurez votre intuition qui va se développer avec cette personne. Pas mal de clairvoyance avec cette personne. Ici, il y a un peu le côté, on a l'impression qu'on nous a jeté un sort. Sauf qu'ici, on dirait un peu une poupée. Poupée vaudou, donc on sent que il y a de la négativité quand même. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi une autre personne, une énergie tierce un peu qui bloque, enfin qui perturbe, pas forcément qui bloque, mais qui perturbe un peu les énergies, mais qu'il n'y a pas de hasard, bien évidemment. On parle de potion magique là aussi. Il y en a peut-être un des deux qui est un peu magicien dans l'âme, voyez, qui fait des potions magiques. Qui fait des soins énergétiques. Voyez, il y a quand même cette dynamique qui ressort, qui s'occupe de l'autre, de l'humain, qui comment dire, qui travaille sur les corps des autres. J'ai un peu ça qui me vient. Voilà ce qui me vient comme ça, ok. Ensuite, on va voir un peu les conseils pour vous. On a la super lune. Vous allez sûrement vous rencontrer en super lune. On vous dit vous devez être fier de vous dans cette situation parce que vous allez vous peut-être vous dévaloriser. Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. Pour certains, vous voyez, ça va être ma vie a changé, j'ai changé avec elle. Voilà, beaucoup de transformations dans cette histoire et je pense qu'il va falloir vraiment vous écouter dans cette situation, dans cette histoire parce que ah, je sais pas comment dire, mais là pour certains, ce sera vraiment une personne effectivement, donc vous allez vous éloigner et vous devrez être fier d'avoir choisi l'équilibre, justement la paix, l'union et pas la dépendance et pas la passion destructrice.
voyez ce que je veux dire? Parce que ça va être votre challenge dans cette histoire. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment. Les anges, ils veulent vous dire quoi? N'arrêtez pas. N'arrêtez pas, pour moi, ça veut dire ne lâchez pas, n'abandonnez pas, quoi. Ne pensez pas que la vie doit être douloureuse, hein. N'arrêtez pas, pour moi, ça veut dire n'arrêtez pas de croire en quelque chose de peut-être de mieux. voilà, hein, de croire en la lumière, finalement. Des relations profitables. Il y a vraiment des personnes ici qui vont pouvoir vous aider. Amélioration de l'état de santé. Bon, pour beaucoup, je pense que c'est un ex ou une ex, hein, honnêtement. Voilà. Oui, bah voyez, on me dit oui. Voilà. D'ailleurs, vous allez, pour moi, pour beaucoup, il y aura quand même une séparation avec cette personne. Pour certains, ce sera définitif parce que voilà, ce ne sera pas une relation qui pourra durer pour certains. C'est trop compliqué. Pour d'autres, oui, mais je pense que ceux avec qui ça va durer, c'est peut-être ça va durer voilà, pendant des années, mais ce ne sera pas pour la vie. Et peut-être. Pour d'autres, c'est parce que vous allez la rencontrer, cette personne, peut-être sur les 40, 50, 60 ans. Voyez? Vous êtes prêts. Ah, c'est marrant. Attendez, vous êtes prêts. Ouais, c'est marrant parce que pour vous, c'est peut-être quelque chose qui se passe en ce moment. Ou... On ne me parle pas du tout de notion de temps. Donc, par contre, on me confirme qu'il y aura quand même beaucoup d'attente dans cette histoire. Il y aura de l'attente, il y aura de l'attente, il y aura de l'attente. Et ça arrivera au moment parfait, hein, cette histoire. Elle arrivera au moment parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour terminer? Quel est le conseil? Gardez la foi, confie tes soucis, écoute ton cœur. Partage, ouais, ne te renferme pas. Parce que là, on peut vous dire attention à la manipulation. Faut pas vous perdre dans la manipulation. Vous voyez, je suis libre. Hein. Donc, c'est une relation qui va vous enfermer. Ça, il faudra en avoir conscience. C'est ça que vous allez conscientiser dans cette histoire. Et ça va être vraiment important pour vous de maintenir le contact avec l'extérieur, de ne pas vous enfermer dans cette relation. Et d'écouter votre cœur, hein, vraiment. Surtout quand vous souffrez. Et là, on vous dit, voilà, moment présent. Et on a le nœud nord. Donc, bon, on vous confirme que c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est quelque chose que vous recevez. C'est quelque chose qui est forcément relié à votre chemin de vie. C'est relié à votre chemin de vie. Vous avez quelque chose de fort à comprendre dans cette histoire. Ça devait se faire ou ça doit se faire. C'est quelque chose, je pense, qui se fait actuellement. Vous êtes déjà avec cette personne, hein. Ou alors, c'est pour beaucoup, 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 c'est pas vraiment une histoire du futur. Hein. C'est plutôt une histoire qui se passe maintenant ou qui s'est déjà passée. Hein. Vraiment, je ressens beaucoup, beaucoup ça maintenant. Peut-être pas pour tout le monde, mais puisque c'est général, mais quand même. Voilà les amis. Donc, j'espère vraiment que ce tirage aura résonné avec vous. Surtout, les amis, je vous attends en commentaire. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! Les amis, on y va pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi donc la plume rose. On adore! Alors, c'est parti. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc comme je disais, ça peut être une relation qui existe déjà. D'accord, mais ça, de toute façon, ça, on va le voir au fur et à mesure, ok? Alors, on va commencer par ça, ça, et ça, on verra après. Donc, hop, hop, let's go. Ouh, le chien, le... Oh là là. Il y a de bonnes énergies là. Alors, fidélité, amitié. Le miroir. Waouh, alors ça, c'est genre, on est pareil. Je me vois dans l'autre. Cette personne est la même personne que moi. Hein, le miroir, c'est ça. Ça peut être aussi que vous vous valorisez l'un et l'autre dès le départ. D'accord? Parce que là, on va commencer par la rencontre. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais on commence par la rencontre. On a la tortue. Donc, il y a une forme de lenteur. Alors, peut-être une rencontre un peu tardive dans votre vie. Alors, qui met du temps à arriver. Hein, vous l'attendiez depuis longtemps, hein, peut-être, cette rencontre.
ou alors que ça prend du temps, vous prenez votre temps. Il y a un peu un truc comme ça. Mais il y a déjà une fidélité de base qui est là. Et le cadre photo, c'est marrant parce qu'on dirait encore un miroir. Donc vraiment, j'ai un peu ce sentiment. Cadre photo, vous allez avoir des souvenirs ensemble. Hein. Peut-être la photo de mariage, on ne sait pas. Hein, on va voir. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Ouh, cette personne, dès le départ, ou vous, elle veut pas que vous l'oubliez, quoi. Elle veut être important ou importante dans votre vie, en fait. Elle veut avoir une place importante. Elle va avoir un peu la première place. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la tortue représente l'harmonie, la longévité, l'amitié. Hein. Donc, bon, c'est fait pour durer avec cette personne. Hein. Dès le départ, on nous dit des trucs comme ça. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir, peut-être. D'accord? Symbole d'amitié, de loyauté. Hein. Donc, beaucoup de fidélité. Fidélité, loyauté, longévité entre vous. Enfin, bref. Bon. Déjà, les premières impressions, elles sont très très positives. Ah, c'est une histoire qui démarre bien, j'ai l'impression. Bon, on va quand même aller plus loin. Alors, on a la maison, on a l'enfant. Bah écoutez, bon, avec cette personne, c'est parti pour fonder une famille, hein. On a le gentilhomme, donc on a l'homme romantique, l'homme qui est intéressé, l'homme qui... C'est peut-être l'homme qui va arriver, qui va aller vers l'autre, vers la femme ou vers l'autre personne, hein, si jamais c'est des relations, comment on appelle ça? Des relations LGBTQ, tout ça là, j'ai plus les mots. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'étoile, donc il y a un peu cette notion de connecté un peu au destin, le rêve, l'imagination. Et on a la verge. Ok. Attraction physique quand même aussi. On aime bien le physique de l'autre déjà dans la rencontre. Les étoiles plein les yeux. Donc vraiment, on est un peu en admiration face à l'autre. Ouais, il y a un côté très sexy là, ça peut être ça en fait. On va trouver l'autre sexy. Voilà. Sexy pour moi. Vous voyez? Il y a un peu ce côté. Ça peut être par exemple une rencontre en soirée. Ça peut être ça, ça peut. Mais pas forcément, hein. Vraiment pas forcément. On va aller plus loin justement par rapport à ça. Ça peut être aussi une relation. Peut-être un peu amical dès le début. On est un peu en mode amitié, mais très vite, on va s'accrocher à l'autre. Enfin, pas s'accrocher de façon douloureuse, hein. Mais très vite, on va s'attacher à l'autre. On va tout de suite avoir envie d'être proche de l'autre, très très proche de l'autre, avoir la première place dans la vie de l'autre. Encore une fois, voilà. Puis on se voit dans l'autre, on se dit waouh, c'est. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On se voit dans l'autre. Vraiment. Et puis il y a le physique aussi avec le miroir. C'est vrai qu'avec la photo aussi, peut-être il y a un truc avec la photo, la photographie aussi qui peut ressortir, peut-être. Peut-être que vous allez vous envoyer des photos, peut-être à la rencontre. Ici on a le miroir, donc effectivement peut-être que le physique aussi va être important dans cette relation. Je sais pas, au début, vous allez être attiré par le physique de l'autre. Enfin, il y a un truc comme ça. Maison enfant quand même là, hein, j'ai l'impression que avec cette personne, vous allez vous projeter vers quelque chose d'assez d'assez traditionnel, hein. On a envie que cette personne peut-être soit le père ou la mère de nos enfants, vous voyez? Il peut y avoir cette dynamique. Ça peut être aussi pour certains que, par exemple, peut-être l'homme dans l'histoire a déjà un enfant. Enfin, oui, une enfance, pareil. Ou des enfants, je voulais dire, vous voyez? Ou a déjà une maison, peut-être, a une maison à lui ou à elle, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne peut-être est déjà propriétaire, par exemple, ou a déjà fondé une famille. Mais bon, elle est divorcée, etc. Parce que j'ai le sentiment que cette personne, elle est libre, hein. Et vous aussi, hein, si là, vous êtes les deux protagonistes, on va dire. Voyez, donc peut-être que vous, ou en tout cas la femme dans l'histoire, peut-être, parce que bon, ça peut être vous, ça, enfin, vous prenez en fonction de ce que vous ressentez.
Mais on a quelqu'un, ou c'est peut-être les deux, puisque en miroir, en fait, bon, vous êtes peut-être en miroir, vous êtes les mêmes. Donc des gens quand même assez romantiques, assez respectueux l'un de l'autre, mais quand même des gens sexy, quoi. Hein. Vous aimez être sexy, ou l'autre aime être sexy. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça, quoi. Vous mettez vos atouts en avant, clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez vous mettez, voilà, vous aimez vous apprêter, etc. Puis avoir cette dynamique. Peut-être qu'il va y avoir aussi une relation sexuelle dès le départ assez rapide. Peut-être aussi entre vous, vous allez tout de suite, voilà, hein, tout de suite, voilà, vous allez aller droit au but, on va dire, assez rapidement, hein, même si elle a tortue, hein, voilà quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous allez vous imaginer, peut-être, voyez, avec l'autre en train de hammam. Non mais je le dis, bah, ça peut être quand même important, ça peut être significatif. Voilà, il peut y avoir un peu cette dynamique. Bon, on va approfondir, on va aller plus loin, on va aller voir avec l'autre, justement le Normand. Désolé les amis s'il y a du bruit. C'est parce qu'il y a un peu la fiesta là, à Biarritz. Ils sont foufous un peu les Basques, vous savez. Alors, on a l'homme, regardez, on a l'homme là qui a. Alors, on a des forts caractères aussi, j'ai l'impression. C'est peut-être l'homme qui vient en premier, hein. Ouais, l'homme qui part à la rencontre de l'autre. On a une récolte positive. On a la croix, donc il y a aussi une fin de cycle reliée à ça. On a une souffrance aussi qui est là pendant la rencontre. Ou un deuil. Et on a le monde, donc il y a un obstacle aussi. Il y a un obstacle et il y a un deuil ici pendant la rencontre. Faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une histoire, pour l'un ou pour l'autre, pour les deux, qu'importe. Faire le deuil d'une personne de la famille qui est décédée. Il peut y avoir cette dynamique. On a quand même des personnes à fort caractère, fort tempérament, personnes qui ne se laissent pas faire, etc. Ici, on dirait qu'il y a, je sais pas, comme si quand vous rencontrez cette personne, peut-être vous avez perdu un être cher, ou il peut y avoir un truc comme ça, relié à ça. Je sais pas, mais là, on voit que vous avez. Il y a beaucoup de foi, beaucoup de courage. On voit que ce sont des personnes courageuses là qui se rencontrent, j'ai l'impression. Des personnes courageuses qui ont traversé des épreuves difficiles, etc. On a cette dynamique. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez partager dès le départ. Ici, on peut avoir une rencontre dans un truc public. Donc un événement, jardin public, café, terrasse, mariage, baptême. Des trucs comme ça, ou alors là où il y a du monde. Donc ça peut être les réseaux sociaux aussi, voyez, parce que là il y a des événements, il se passe des choses, il y a plein de monde, c'est public. Voyez, il y a vraiment cette notion de public. Il y a du public qui est là aussi, voyez, qui peut voir aussi le truc, ou qui peut, enfin, voyez. Voilà. Oh putain, j'ai les, pardon, toutes les cartes qui tombent. Donc, il peut y avoir ça. Donc ça va dépendre. C'est général et c'est un peu difficile de. Voilà. Mais j'ai l'impression dans la rencontre, pour bien vous orienter quand même. Alors, ça peut être de chez soi aussi, ou autour de chez soi, ou de chez soi, puisqu'on a la maison aussi qui est là. Il y a un truc comme ça. Pour certains, ça sera vraiment rencontre amis d'amis. D'accord? Ça aussi. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est le vraiment, j'ai l'impression que c'est significatif que c'est en fait l'homme, parce que cet homme qui regarde vraiment là cette femme ou cette autre personne de façon plus générale, et j'ai l'impression que il y a l'homme qui va repérer l'autre en fait, c'est l'homme qui va repérer l'autre. Il y en a un qui va repérer l'autre à d'avance en fait, en avance. Voyez? Il y a vraiment ce truc, je trouve, qui ressort beaucoup à la rencontre. Pour avoir quelqu'un aussi ici qui est assez lent à la détente, hein, qui capte pas tout de suite le délire. Et quelqu'un ici, par contre, qui de suite sent qu'il y a un truc. Vous voyez? Il peut y avoir un truc comme ça. Donc, on a cette dynamique. Mais j'ai quand même l'impression très vite que.
Il y a une tension, voilà, avec la Vierge aussi, il peut y avoir une tension sexuelle qui se crée très rapidement entre vous, une tension qui se crée qui fait que on n'a pas envie de lâcher l'autre, voyez, au début, à la rencontre. On est toujours à la rencontre, hein. Donc, vous voyez, alors, on va voir les signes astro. Alors, on a Vierge. Peut me parler de septembre aussi. Bélier, 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 poisson, 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 quoi d'autre? Sagittaire et taureau qui sont ressortis. Ok, bon. Alors, en termes de période, c'est vrai que j'ai pas parlé de la période encore. Ah, mais c'est normal, c'est parce que c'est avec ces cartes. Donc, ça peut être des signes astro vraiment que vous avez, donc vous ou l'autre, ou que vous avez dans le thème astral de l'un ou de l'autre. D'accord? C'est pas forcément que votre signe solaire, voyez, mais un signe qui peut en faire partie, ou que vous avez peut-être beaucoup de placements en bélier, vous avez beaucoup de placements en taureau, je sais pas. Voyez? Donc vous prenez ce qui résonne. Et puis ça peut pas forcément être pour les deux, ça peut être plus peut-être vous, ou peut-être plus l'autre. Enfin, voilà, après, c'est vraiment pour orienter, mais voilà, c'est pas parfait, bien évidemment. D'accord? Faut que je vous le... Enfin, faut vous le rappeler, quoi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau de la rencontre. Au niveau de la rencontre... Comment que je vois ça? Alors, on va voir ici. Opposition, d'accord. Un point de tension, d'accord? Un peu de tension entre vous. Peut-être tension, comme je disais, un peu sexuelle, mais peut-être non avouée aussi. Donc ça, voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour, un rivaux ou une rivale autour qui peut bloquer la situation, qui va énerver l'un ou l'autre. On a de l'énervement. On s'énerve aussi contre l'autre. On est peut-être, on s'énerve contre l'autre. Ou relation profonde. Hein. On a vraiment la maison 7. C'est la maison de la balance, hein. Donc c'est des partenaires romantiques. C'est des partenaires qui sont faits pour être ensemble, quand même, hein. Vous êtes faits pour être ensemble, quand même, les amis. Vous êtes faits pour être ensemble. Voilà, quand même. Une belle intimité entre vous, une profonde relation de cœur, une relation de cœur, une relation d'amour, une relation de sincérité, de fidélité, de... Ouais, quand même une belle histoire, là. On a une belle histoire. Et on a la maison 1. Et on a quand même, voyez, l'image, la self-image, individualité, comment on voit la vie, etc. Donc vous aurez, je pense, la même vision des choses, de comment vous voyez la vie, tout ça. Ouais, et je pense que vous aimeriez, vous allez aimer dans cette relation, peut-être au début, vous voulez affirmer votre personnalité, ou vous voulez dire, attends, j'ai pas besoin de toi, ou je veux pas te montrer que je t'aime bien. Tu vois? Un truc comme ça, genre un peu dans l'ego quand même au début, hein. Un peu dans l'ego, c'est l'énergie du bélier là, encore qui ressort. Un peu genre on laisse planer le doute, on veut pas que l'autre sache tout de suite qu'il nous plaît ou elle nous plaît. On est un peu dans l'ego, dans les masques. Il y a un peu cette dynamique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, ça peut être vraiment... Self-image avec la photo, peut-être vous vous rencontrez à travers les réseaux sociaux. Pour essayer de voir un peu le lieu, parce que là j'ai un peu du mal. On a les montagnes ici, les montagnes qui ressortent. Donc il y a peut-être un lien avec la montagne. Qu'est-ce qu'on a? Alors peut-être que vous avez aussi pour la rencontre, vous avez deux vies qui sont opposées par exemple. Peut-être un truc comme ça. Alors ici, comme on a deux oiseaux, ouais, ça peut être... Ça peut être rencontre un peu virtuelle pour certains. Peut-être rencontre virtuelle. Ou alors, comme je vous disais, là, avec le jardin, rencontre dans un lieu public de façon générale. En fait, vous pouvez démarrer la relation en mode où limite vous vous engueulez, quoi. Vous engueulez, quoi, dès le départ. Peut-être que c'est ça qui va vous faire vous rencontrer. Genre, vous n'allez pas être d'accord sur un truc, par exemple. Ou alors,
Ouais, vous allez vouloir affirmer votre point de vue, je sais pas. Il va y avoir un petit désaccord peut-être au début, mais j'ai l'impression que c'est pas bien méchant. Hein. En fait, c'était pour que vous puissiez vous connecter l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire un peu? J'ai l'impression. C'est pour que vous puissiez vous. Limite, c'est pas une excuse, quoi. Limite, c'est pas une excuse pour que vous puissiez passer du temps ensemble, en fait. Donc, il y a un peu cette dynamique. Ça peut être un contre aussi pour certains, vous savez, au lycée, université, pour ceux qui sont plus jeunes, là, j'ai l'impression. On va aller plus loin tout ça, mais. Donc, il y a ce côté un peu adolescent, adolescente qui ressort aussi, là, au début. On fait un peu les gamins, les gamines, quoi. Vous voyez? Mais bon, je pense que, vous savez, c'est un peu, c'est de bonne guerre, voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Alors, on continue. Qu'est-ce qui vous attire chez l'un, chez l'autre, même si on a déjà pas mal d'infos, mais enfin, on approfondit ici, on vous a dit, c'est tout, hein, tout, on veut tout savoir. Alors, on a la justice, waouh! On aime le côté honnête de l'autre, le côté authentique. L'histoire aussi de l'autre qui nous touche. Vous voyez ce que je veux dire? Reine de coupe. Ouais, c'est la vibe de l'autre qui nous plaît. Oula, alors là, il y a beaucoup trop le. On va cacher pour YouTube. Ben, je pense qu'il y a le physique aussi de l'autre, hein, littéralement. Le physique de l'autre. On a quand même le valet de coupe ici. Bon. Ouais, on est très très charmé par l'autre. Hein. L'autre est très charmant ou très charmante. Hein. On aime la personne, on aime l'apparence déjà de la personne. Hein. L'apparence, le charme, ce qu'elle dégage en fait. L'énergie qu'elle dégage, ce que l'autre dégage. Vraiment, ça nous perturbe quoi. Hein. Ça perturbe. Voilà quoi. Il y a vraiment cette dynamique. C'est une rencontre. Où le physique, quand même, il est assez présent. J'ai l'impression. C'est beaucoup ça qui va vous attirer. Ensuite, ouais, comme je vous disais, c'est le côté droit et honnête. Et le côté pardon, courageux de l'autre, qui plaît énormément. Qui peut renvoyer à son propre courage et qui, du coup, nous attire, quoi, finalement. Le côté un peu nonchalant aussi, là on a une reine de coupe là qui se laisse couler, qui se laisse rêver, qui se laisse. Côté nonchalant de l'autre qui nous attire, quoi. Vous voyez? L'autre qui. Finalement, les trucs, limite, c'est pas les trucs qui nous agacent chez l'autre, finalement, c'est ce qui nous attire en fait. L'autre va. Comme si l'autre allait nous énerver, quoi, clairement. Alors, on a la 9 de bâton, donc effectivement, on va créer de la résistance et de la tension entre les deux, hein. La mort. Donc on a quand même l'âme aussi. L'âme qui attire l'autre. Hein. C'est l'âme aussi qui est fort présente. Ouais. Très, très forte attraction sexuelle et physique aussi. Hein. On est très attiré par, ouais, par le corps de l'autre, par le feu de l'autre, la flamme, la foi aussi de l'autre, par la puissance de l'autre. On ressent de la puissance et de la force chez l'autre et ça nous attire. Il y a quand même cette dynamique. Hein. Et le côté sexy, voilà, clairement. Le côté sexy de l'autre nous attire énormément. Hein. Ça va être assez clair ici. Ouais, là, il y a aussi l'âme. L'histoire de l'autre, encore une fois. Hein. L'histoire, le passé de l'autre nous. Enfin, c'est pas que ça nous attire, c'est un peu bizarre, mais nous touche, en fait. Ce que l'autre. C'est un peu. Ouais, l'autre, de quoi elle est construite, en fait, finalement. L'expérience de l'autre, en fait, nous touche, en fait, et nous attire d'une certaine manière. Il y a un peu ce truc. Mais il y a aussi une connexion d'âme qui est assez forte. Donc, c'est possible que cette personne, vous la connaissiez aussi dans des vies antérieures. Vous vous souvenez de cette âme, que vous avez déjà croisé cette âme dans des vies antérieures. C'est tout à fait possible, quand même. Hein. Peut être une relation karmique ici. Hein. On a une relation karmique. Quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. Peut y avoir cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, après le fait que l'autre vous mette des bâtons dans les roues, si vous aimez bien, ou que l'autre vous résiste en fait. Le fait que l'autre vous résiste, en fait, c'est vous aimez bien. Vous voyez? On a cette dynamique, ok, on adore. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on va voir là? On va voir avec ça. Oh, on a le chiffre 13 encore. 2 fois 13.
Donc vraiment fin de cycle. Et puis il peut y avoir quelque chose au mois de janvier aussi qui va être important. Le mois de janvier peut être significatif pour vous. On a la chauve-souris. Donc on a cette notion de by night, la nuit. Beaucoup de choses qui se passent la nuit, dans les rêves, ou le soir, la nuit, avec cette personne. On a la plume. Ah bah tiens, c'est marrant. La plume, donc il peut y avoir des signes de l'univers aussi qui vont être reliés à cette rencontre. De la légèreté, beaucoup de légèreté entre vous quand même, hein. C'est ça qui va être significatif, qui va être appréciable. Et les anges aussi qui seront présents dans cette histoire. Les anges qui seront là. Donc très intéressant et j'ai l'impression que j'ai vraiment aucune idée de vers où ça va quoi pour l'instant entre vous. C'est assez particulier. Hein. Enfin assez particulier. Parce que comme on a ce côté très, très physique, mais bon, il y a quand même la longévité, ouais, je vous ai dit, non? Je sais plus ce que je dis en fait, moi. Donc en fait, oui, peut-être, oui, effectivement, peut-être que ça va durer aussi longtemps, parce qu'on a la longévité, la fidélité. C'est quand même possible que ça dure un moment avec cette personne, avec cette histoire. Alors, on va voir justement, là, on va voir la relation. Ouais, bon, c'est fait pour. C'est du succès, là. 6 de bâton, c'est le succès assuré avec cette personne, hein. Il y a du succès dans cette histoire. Hein. Cette relation ne sera pas un échec, quoi. Hein. Clairement pas. Ouais, reine de deniers, pardon. On prend soin l'un de l'autre. Hein. Beaucoup. On va prendre soin de l'autre. Oh, vraiment. Waouh. Je ressens vraiment ce côté très doux, très gentil, très affectueux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour l'autre. On va aimer l'autre dans toutes ses parts. C'est un peu le côté mariage aussi. Là, on a vraiment la femme au foyer, quoi, un peu. C'est un peu la dynamique de la reine de deniers. C'est la femme qui travaille aussi. Donc, on a beaucoup d'humilité par rapport à la relation, par rapport à l'autre. On donne sans compter. On aime sans compter, sans condition. Donc, si l'autre, elle est malade, on va l'aider. Voyez, on a beaucoup d'entraide, service à l'autre, le côté aussi peut-être mère de famille, donc avoir des enfants, c'est possible aussi avec la reine de deniers. Surtout qu'il y a un petit nid là, donc bon, peut-être succès familial. On a le prince de deniers, donc les choses vont évoluer lentement quand même dans cette histoire. Ah ah ah. Ça se fait vraiment, les étapes ne sont pas brûlées hein, entre vous deux. Ça se fait doucement mais sûrement. D'où l'idée de la tortue en point de départ, je pense, hein. Doucement mais sûrement. Hein. Ouais, je pense que ça va être ça la dynamique chez vous. La prince. Oh, la prince. La princesse et l'impératrice. Alors, il y aura beaucoup de créativité entre vous deux. Envie de créer plein de choses, plein de projets. Ouais, vraiment plein de projets. La mère aussi qui peut être importante. La mère de l'un ou de l'autre qui va être significative dans cette histoire. Il y a beaucoup de projets, hein. Ouh là là. Des idées. De l'innovation un peu aussi dans la façon peut-être par rapport au foyer. Vous n'allez pas vouloir répéter les schémas de ce que vous avez vécu dans vos familles respectives, peut-être. Vous allez vouloir innover un peu dans la façon de construire le couple ou construire la famille, ou les deux, tout simplement. Est-ce qu'il y a un mariage? Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Hein. Ouais, on a la grande prêtresse. Il y a de la spiritualité quand même. Pas mal. Du mystère, de la spiritualité dans l'histoire. Beaucoup d'énergie féminine aussi. Hein. C'est très féminin tout ça. Très féminin. Beaucoup de femmes autour. Je sais pas. Il y a beaucoup de femmes autour de ce couple. Peut-être que vous aurez une fille ensemble. Il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vois vraiment un côté. Je sais pas comment dire. Je vois des voyages entre vous. Vous allez voyager aussi. Vous allez aller dans des. Il y a du côté mystique aussi qui ressort.
Vous allez vous intéresser à au côté mystique ensemble, ou peut-être qu'il y en aura un des deux qui sera très mystique, très spirituel, peut-être religieux même, croyant. Il y aura un deuil, perte affective. Peut-être que dans cette histoire, dans cette relation, dans votre relation, il va y avoir un deuil qui va être significatif. L'un des deux va perdre quelqu'un, ça va être douloureux. Vous allez l'aider à ça. Ou alors, ouais, il peut y avoir un truc comme ça. Va y avoir un deuil affectif. Vous allez aider cette personne à se relever, ou c'est l'autre personne qui va vous aider à traverser un deuil. Ou à faire le deuil, quelque chose. Mais avec cette personne, il y aura beaucoup d'authenticité. Ouh, il y aura des choses aussi très inattendues. Des événements, des bouleversements, des choses qui vont être inattendues, pas forcément négatives, hein. Mais ça va bouger, quoi, avec cette personne. Il y aura beaucoup d'inconnus, beaucoup de... Puis avec cette personne, c'est pas genre... ouais, alors voilà, je vous vois vraiment en couple, en mode où... bon, bah, ça vous arrive de vous engueuler, quoi, hein, clairement, hein. Mais c'est pas... Comme je vous disais, c'est toujours de bonne guerre. J'ai pas l'impression... On va cacher ces petits seins, là. c'est pas vraiment... Je vois pas, vous savez, la passion destructrice, en fait. Ce que je vois, c'est que, bon, vous dites les choses. Quand vous avez besoin de dire les choses, vous allez les dire, hein. Croyez-moi que vous allez les dire. Voyez? Donc, c'est d'où l'idée qu'il y aura quand même des tensions entre vous, hein. Mais c'est parce que, ben voilà, hein, il faut vivre aussi tous les jours avec l'autre, hein, finalement. Ça, c'est le signe que vous allez vivre avec l'autre, hein, j'ai l'impression, quand même. Et puis, ici, l'ermite, vous aurez besoin de passer du temps seul, hein. Vraiment, vous ne serez pas tout le temps collés l'un à l'autre. Hein. Je ne vous vois pas collés l'un à l'autre. Vous aurez chacun votre... je dirais pas chacun votre vie non plus, parce que tous les soirs, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver. Il y a cette notion de... Avec la reine de Denis, il y a cette notion de télé-canapé. On dort dans le même lit. le chien, tout ça. Bref, voyez, le même repas. On prépare le repas pour l'autre. Voilà, donc pour moi, il y a cette notion quand même de foyer, mais vous aurez chacun, clairement, votre activité, chacun votre... chacun un truc différent, vous vous verrez pas la journée peut-être, ou vous aurez besoin de solitude, ou de partir parfois tout seul ou toute seule, enfin voilà, laissez l'autre aussi faire sa vie, quoi, quand même, hein. Sera pas tout collé tout le temps, d'accord? D'où le fait, peut-être des fois il y aura un peu des tensions, parce que bon, voilà, quoi, hein. Voyez, peut y avoir un peu aussi cette dynamique. Ok, bon, mais j'aime bien quand même cette histoire là, elle est plutôt sympa. Et je ressens un truc un peu atypique, hein. Un peu... Oups là, oupsie. Un truc un peu atypique où, voyez, il y a... c'est vraiment pas... vous avez vraiment envie de sortir du cadre, il y a une originalité qui ressort, quelque chose d'original. J'adore. Alors, c'est le moment de faire quoi? Les charms. Allez, on veut des infos, plus d'infos, tout, tout, tout sur cette histoire. On veut tout savoir. Ah, oh, mais décidément, celui-là, là, il fait que ressortir. Alors, j'étais attirée par ça aussi. Transition, déménagement. Il y aura un déménagement, changement de maison qui sera important, significatif, ou un changement de domicile qui sera important. Prisoners, ouais, on sera peut-être enfermé. On a le Sagittaire ici, donc on me parle de décembre. Je ne vous ai pas parlé de janvier, décembre-janvier qui risque d'être important pour vous. Peut-être l'officialisation de la relation ou la rencontre, vous voyez. Ouh, on a le smile. On a le smile, on a même, on rougit quand on voit l'autre, on va rougir, voilà. L'autre est un soleil, l'autre est très rayonnant. Enfin, vraiment le smile quand même, hein, le sourire. Donc l'autre nous donne le sourire, nous redonne le sourire. Donc quand même, globalement, ce sera quand même quelque chose de très positif, très sain. Et il y aura quand même des petites tensions, des hauts et des bas, et des... Voilà, hein, ça sera dynamique, on va dire. Ça sera dynamique, voilà quoi. Il y aura quand même de la passion entre vous, mais pas destructrice. C'est pas ça qui dominera. ici, on a le chemin. Donc, pour moi, ça me dit que vous allez faire un long chemin ensemble. Et ça peut me parler aussi de campagne. Vous allez habiter à la campagne ou habiter dans la nature, peut-être. Vous ferez beaucoup de routes, peut-être aussi ensemble. Vous allez voyager, faire de la route. Voyez? Un peu ce truc, peut-être en van et tout. Je sais pas. Un délire comme ça, on adore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre?
Oula, il y en a 3000 qui sont sortis là-haut. J'en demandais pas tant. On a L qui ressort deux fois. Donc ça peut être le nom et ou le prénom, ou les deux, de l'un ou de l'autre. Enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. On a B, on a bébé. Hein, donc peut-être on a un bébé, ou alors on s'appelle bébé. Hop, j'ai pensé à la chanson où t'étais invité par des potes à une teufée. tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Vous voyez, il y a un peu ce truc où vous chamaillez, en fait, vous chamaillez, mais gentiment. C'est marrant quand même ce truc, hein. Le E, deux fois, le L, le D, le U, le T. Le T, tout en double, hein. Vous êtes le double en fait, mais tout en double, les gars. Par contre, W, X et V. Voilà, donc vous prenez ça raison, mais non, tout ne peut pas parler. Et s'il n'y a pas vos initiales, mais que tout le tirage vous a parlé, c'est que voilà, hein, c'est aussi ça. Hein, no stress, les amis, no stress par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut résonner pour vous. Mais tout en double quand même, c'est assez intéressant. Hein. C'est que vraiment, vous êtes très similaires. Ensuite, on va voir les runes. Allez, c'est parti. L'union, l'harmonie, l'équilibre. Bah d'accord, on adore. Et le défi. Ouais. On challenge un peu l'autre aussi. Hein. On challenge l'autre, on remet toujours du peps, de l'énergie, du dynamisme dans la relation. On s'endort pas dans cette histoire. On s'endort pas, on se repose pas sur ses lauriers. La relation n'est pas acquise, d'accord? Il y a un peu ce truc quand même. Hein, la relation n'est pas acquise. On sait très bien que l'autre peut nous échapper enfin pas à tout moment quand même, faut pas exagérer. Mais on sait que l'autre n'est pas acquis, quoi. Et ça maintient une harmonie, ça maintient un équilibre, quelque chose de sain. C'est, on se repose pas trop sur la relation. On sait aussi que bon, l'autre, ben voilà, il est libre en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous restez libre entre vous. Ça peut être une union libre aussi, parce que peut-être pour beaucoup vous n'allez pas forcément vous marier, tout ça, pas forcément de tradition. Ou alors vous allez vous marier de façon bohémienne un peu, ou alors de façon spirituelle, je sais pas, ou atypique, encore une fois. Ici, je vois un enfant, mais il peut y en avoir deux aussi, mais je vois un enfant quand même. Peut-être qu'il y aura une difficulté pour fonder un enfant, enfin, fonder un enfant, putain, je sais pas parler, pour créer, pour procréer, ou je sais pas, peut-être un truc qui sera un peu difficile au début, difficulté à avoir un enfant, je sais pas pourquoi. Difficulté à avoir un enfant, peut-être des fausses couches, des trucs comme ça, ou je sais pas, un truc relié à ça, où il y aura un blocage en tout cas par rapport au fait d'avoir l'enfant. Et les chances, ben. Attends, les gens veulent plus. Oh, la tortue, la tortue, la tortue. Alors, pour certains, il y a aussi la notion des îles, en fait, aussi. Vivre sur une île, rencontre sur une île. Voilà, surtout qu'on a la petite flowers, là aussi, peut-être, qui peut être reliée à ça. Ah non, c'est le trèfle de quatre feuilles. De la chance et du bonheur à deux, j'adore. Ah, on a le raisin. On a le raisin, la vigne. Bordeaux, en France, par exemple. Ou alors, je sais pas, là où ils font du vin, font beaucoup de vin, je sais pas. Moi, je connais pas tout, moi. Vous vous débrouillez. Ah, tiens, le A. Ah, mais on l'avait déjà vu. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais la maison! Voilà, j'ai gueulé, pardon. Mais regarde, oh, le papillon de lumière! Il est trop beau. Waouh! Belle transformation entre vous, la maison. Hein, ça confirme que peut-être un des deux, vous aurez déjà la maison. Vous aurez acheté propriétaire, ou alors vous allez avoir une maison ensemble, vous allez construire une maison à deux. Vous allez faire des travaux dans la maison ensemble. Je vous vois vraiment faire ce genre de trucs là, des trucs très simples. La montre. La montre, la montre, la montre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire, la montre. On a le cadenas, donc pour moi, pour moi, c'est la notion de fidélité entre vous. Et on a l'homme ici, enfin on a un homme.
La montre, c'est le fait d'être peut-être un peu pressé. On a l'œil, donc le regard qui peut être important, ou ce que l'autre dégage, enfin, ce que l'autre dégage, ou comment on va voir l'autre va être important. L'autre nous attire physiquement, encore une fois, très fort. Et ça peut nous parler d'une forte intuition entre vous deux. Et on a le chiffre 11 ici. Donc, maison 11, on a l'énergie du Verseau avec la maison 11. Et on a donc l'énergie comme ça de quelqu'un d'humble, d'humanitaire, d'humaniste, de rebelle aussi, hein, cette notion de rébellion. Et révolutionnaire un peu, on change les codes et tout. Notion de voyage aussi, créativité beaucoup, innovation, tout ça, tout ça. Le mois de janvier encore qui ressort pour vous. On adore. On adore. Et ici, on a quoi? Own your dreams. Mais je pense que ça veut dire dans tes rêves. Peut-être que c'est un peu le truc, genre, si c'est ça, genre justement que l'autre ou vous vous dites dans tes rêves, hein, tu peux toujours courir, etc. Parce que vous vous chamaillez, pour moi. Mais sinon, ça peut être tout simplement que vous allez rêver de cette personne. Hein. Encore une fois. Je sais pas si je le dis d'ailleurs. Parce que bon, j'en suis déjà au troisième. Donc je ne sais plus ce que je dis, moi, ici. Clairement, je ne sais plus ce que je dis. Donc voilà, je voudrais juste savoir par rapport à la montre. Parce que ça veut dire quoi la montre? Oh, l'argent. Ok. Oh, on a encore une montre. Incroyable. Incroyable. Alors là, vous allez vous rencontrer au bon moment. Moment parfait, timing parfait. Timing parfait. Alors, il y a un truc avec l'argent. La cuillère en or. Regardez-moi cette cuillère royale. Elle est incroyable quand même, une cuillère royale comme ça. Alors peut-être que, voilà, vous serez pressé de gagner de l'argent. Je sais pas. Il y aura un truc avec le fait de vite gagner de l'argent avec cette personne. Vite construire peut-être un patrimoine, je sais pas, mais. Vite gagner de l'argent ou alors, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça avec l'argent, vous aurez envie de vous dépêcher par rapport à l'argent. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors, pour une nuit ou pour la vie? C'est ce que j'avais prévu avec ces cartes. On va voir justement ce qu'on nous dit. Libérez-vous! Attirez votre âme sœur! Bon, ben voilà, c'est votre âme sœur en fait. Cette personne. Vous allez l'attirer peut-être par des prières, des affirmations, visualisations. Vous allez, voilà. Ça, vous allez l'attirer, vous allez la rêver, cette personne, et vous allez la rêver, cette personne. Vous allez la demander et la rêver. Et vous aurez besoin de vous libérer d'une cage, d'une prison. Vous aurez besoin de vous libérer de quelque chose. Cette personne va vous aider, pardon, à vous libérer. Ensuite, les anges, ils veulent vous dire quoi? On adore. Obtenez plus d'informations. Bon, il va falloir apprendre à se connaître. Demandez l'aide des autres. Les autres vont vous contribuer dans cette histoire. Affirmez-vous. Ouais, il va falloir quand même que. Hein. Et ayez confiance. Ok. Pff, je sais pas pourquoi je jette les cartes. Vous allez avoir besoin d'avoir confiance en vous parce que l'autre vous déstabilise, je pense. L'autre vous déstabilise. L'autre. Ouh, oui! Ouh là 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 là! Vous allez vous dire oui, hein. Pour certains, il y aura un mariage. Ça va être oui. Ah bah oui. Ah bah les deux se veulent, hein. Ah, pour certains, bah oui, vous allez vous dire, vous allez vous marier, quoi, clairement. Il y aura un mariage. Ou alors, vous allez vouloir vous mettre ensemble. Hein. Ouais, occasion favorable. Il y aura une occasion, enfin, ça se fera dans une occasion favorable. Pour certains, c'est le mariage, ça me confirme le mariage. Mais aussi ce truc de, vous allez vous rencontrer lors d'une occasion favorable, quoi, je sais pas. On a autre chose là, dans un avenir approché, ouais, les choses vont se faire rapidement. Peut-être que vous le vivez actuellement, que vous allez rencontrer très bientôt cette. Non, c'est pas ça que je veux. Cette personne en fait. Voyez? Accepte ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est. Il y a une notion d'acceptation en même temps que la rencontre. L'empathie est la clé avec cette personne. Ouais, l'arbre. Vous allez fonder quelque chose de fort, de puissant, de long, en fait. Ça, long terme. Long terme, long terme. Famille aussi. Famille,
long terme, purification des schémas transgénérationnels avec cette personne. C'est le signe que tu cherchais. Voilà. Donc c'est une confirmation ici. Waouh. Elle est incroyable cette guidance. Je suis reconnaissante ou reconnaissant. Ouais, vous allez vraiment remercier la vie de cette rencontre. Je m'exprime librement, donc vous pouvez vous exprimer librement avec cette personne. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc, pour moi, il y aura quand même, hein, encore une fois, des tensions entre vous parce que vous aurez besoin de vérité. Vérité, honnêteté, nanana. Je reconnais ma valeur. Vous allez avoir tendance à vous dévaloriser face à l'autre. L'autre va vous impressionner ou l'autre va vous déstabiliser. Des deux côtés, je pense, hein, mais... Alors, il y a encore du karma, de la purification avant la rencontre. Oula, ça saute. Ouais, la légèreté, je vous disais, la légèreté de l'ange, qu'on se réconcilie avec sa joie. Cette personne va vous aider à vous réconcilier avec votre propre joie, avec votre propre enfant intérieur. Ça va être léger entre vous. Ah, il y aura de la rancune aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de rancunier, ou c'est l'autre, ou les deux. Exploite ton potentiel. Donc... Ouais, je suis aimée, guidée, cultive l'amour inconditionnel. Ouh là là, vous avez besoin de beaucoup de conseils, vous, là. Il y a vraiment cette notion, regardez, de le courage d'être soi. Vous allez avoir le besoin de dépasser quelque chose pour que cette relation voie le jour, hein. Que cette rencontre se fasse. Il faut vraiment dépasser une difficulté du passé. Il faut vraiment être dans le positif, dans la joie. Il faut vraiment ressentir que vous êtes aimé et guidé. Il faut... explorer votre potentiel aussi, là, ça veut dire qu'il faut vivre de vos talents, de vos dons, de vos capacités. Il faut vivre de ça, les amis. Pas faire juste un boulot banal, j'ai l'impression. Il faut vraiment explorer votre beauté intérieure, votre beauté d'âme. Ce que vous avez dans les tripes, quoi, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Écoutez, les amis, je regarde un peu tout ce qui reste à... Non, mais c'est tout, hein. Donc, il nous reste juste ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'unité, regardez. Waouh! Unexpected! L'orage! L'éclair, le coup de foudre. Ok, c'est un coup de foudre entre vous. Coup de foudre à Notting Hill. Non, mais là, il y a un coup de foudre. Et puis, l'unité, ouais, vous êtes. Et vous êtes encore au miroir, là. Et vous allez transcender, pour moi, vous allez transcender des schémas transgénérationnels. Je sais pas pourquoi, mais je vois ça. Je vois ça. Et même des schémas, peut-être, de vie antérieure, enfin. Vous allez transcender des trucs ensemble. Hein. Et ouais, là, il y a le coup de foudre quand même qui est là. Le coup de foudre, l'événement inattendu. Beaucoup de choses inattendues entre vous. D'imprévus. Mais ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Et c'est très, très positif. Voilà, les amis. J'espère vraiment que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous fais de gros, gros, gros bisous, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Les amis, on termine avec le choix numéro 4. Avec, donc, la plume bleue. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, hop, ça, on va voir after. Ça, je trie un peu avant. Ça, c'est... Ouais, comme ça. Tac. Ça, c'est pour maintenant. Et ça, c'est pour après. Puis, je vais rajouter des trucs, les amis. Vous inquiétez pas, vous me connaissez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors. Oh! Les lunettes de soleil. Oh là là! Des paillettes dans les yeux directs. Je veux voir ton vrai visage. On porte un filtre. Grenouille. Oh, on attend le prince charmant. Ouh, là, je vous vois. Vous, je vous vois en attente. Et le nœud. Waouh, mais j'adore. Symbole d'amour et de liaison. Donc, si vous voyez un nœud avant, peut-être avant, genre un nœud, vous savez, sur un arbre et tout, ça peut vous prédire un amour qui arrive. Alors, là, je vois quelqu'un qui est vraiment dans l'attente du prince charmant ou de la princesse charmante, mais qui attend vraiment son élu, l'élu de son cœur, en fait. Voilà, on est dans cette dynamique. Mais je vous vois vraiment très joyeux, joyeuse au moment de la rencontre. Quelqu'un de très, très souriant. Quelqu'un de... Waouh, vraiment. Alors, peut-être de jeune aussi.
assez féminin aussi, peut-être dans la dynamique, où ça y est un homme ou une femme qui met beaucoup d'accessoires, qui s'habille bien, qui attache ses cheveux, qui a des cheveux longs, qui porte des lunettes, ça peut être significatif, qui porte plein de bijoux, qui aime s'habiller, qui travaille dans la mode. Voilà, bon, il peut y avoir un peu cette dynamique. Voilà, pour l'un ou pour l'autre, je sais pas, mais je sens que c'est vous. Je sens que c'est vous. Peut-être aussi que les apparences ne font pas le moine, entre guillemets. C'est-à-dire que, aussi, peut-être vous avez une apparence qui ne ressemble pas forcément à qui vous êtes à l'intérieur, hein, pour certains d'entre vous, comme si vous n'étiez pas encore vraiment lâché. Parce qu'on voit quelqu'un d'innocent, quelqu'un de jeune et d'innocent, c'est assez intéressant, alors qu'au fond, vous êtes quelqu'un d'assez... En fait, vous paraissez très léger, jeune... innocent, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur, vous avez énormément de sagesse, énormément de puissance, de sagesse, et puis de personnalité. Mais d'extérieur, on dirait que vous êtes quelqu'un d'assez naïf, quoi. C'est marrant, hein? Mais on a un peu cette dynamique. Je ressens aussi la notion de bord de mer, comme si vous étiez au bord de la mer ou de l'océan, sur la côte, quoi. Vous voyez un peu ce truc, on est sur la côte. Voilà. Je sens un peu ce truc-là. Vous attendez l'élu de votre cœur aussi, il y a un peu ce truc. Voilà, vous demandez beaucoup, voyant, voyante, ou un truc comme ça. J'ai un peu ce truc, j'ai un peu ce truc. Vous êtes tout excité aussi à l'idée de rencontrer quelqu'un. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez en attente, hein, clairement. Vous serez en quête même, vous serez en quête, ou en chasse, hein, dirons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien déjà. Ouh, oula. Le chien, le jardin. Alors, au moment de cette rencontre, le carrefour, le gentilhomme et la croix. Bon. Bon, bon, bon. Alors, quand vous allez rencontrer cette personne. Oh là là, vous déjà, vous allez être en mode. Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est est-ce que tu veux de moi? Ça peut être l'autre qui est comme ça aussi, hein. Mais il y a un peu ce truc, la crainte d'être rejeté par l'autre. Tout de suite, hein, j'ai un peu le sentiment, oh là là, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on veuille pas de moi. Peut-être parce qu'on vous a rejeté plus jeune, dans l'enfance, ou que, ouais, on vous a beaucoup rejeté dans votre famille. On n'aime pas peut-être votre style, ou on vous accepte pas tel que vous êtes, ou vous avez été critiqué pas mal, ou vous avez déjà été humilié dans votre vie, donc vous avez très peur que quelqu'un, quand quelqu'un vous plaît, vous avez peur d'être rejeté. Donc, un peu cette dynamique. On voit encore cette notion, vous êtes très gentil. Très gentil, très gentil. C'est quelque chose qu'on vous dit tout le temps. Vous êtes quelqu'un de gentil, de bienveillant, de souriant. Vous avez un smile, vous avez un rire qu'on adore. Enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment, on adore, quoi, chez vous, qui se dégage beaucoup, en fait. Quelqu'un où on a envie de lui donner des cadeaux, on a envie de lui offrir des cadeaux, cette personne, tellement elle a l'air gentille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce sentiment. Alors, vous pouvez vraiment aimer la nature, vivre dans la nature. On a beaucoup cette notion, la connexion à la nature qui est assez forte. Et vous pouvez rencontrer cette personne, du coup, ben, en pleine nature ou au bord de l'eau. Hein. J'ai ce truc de au bord de l'eau qui ressort, dans un événement public ou donc sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est public, par exemple. Parce que peut-être l'un ou l'autre est une personne publique. Par exemple, il peut y avoir cette dynamique. Il y a vraiment cette notion de cute, de mignon, genre vous êtes trop mignon, trop mignonne, l'autre aussi. Enfin, il y a un truc comme ça, hein, qui ressort beaucoup. Peut-être vous avez un chien, un animal de compagnie aussi. Ça, c'est important. Voilà. Vous avez un ou une meilleure amie aussi qui est très 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 proche de vous. Vous voyez? Bon, il peut y avoir ce truc. Ou alors une relation familiale où vous êtes très proche de votre soeur, de votre frère, de votre mère, de votre père, mais très proche, hein, vous dites tout à cette personne, très fusionnel. Bon, ça peut être un truc qui est là, qui est présent, d'accord. Cette personne, vous la rencontrez dans une période de mouvement. Ouh, on a l'idée de 2022 pour certains d'entre vous. 2022. Vous rencontrez cette personne en 2022. Par exemple, vous vous rencontrez physiquement en 2022. Il peut y avoir ce truc-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a quelqu'un de foufou en face de quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus sage, beaucoup plus discret. On a quelqu'un d'extravagant et quelqu'un de discret. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette dynamique qui ressort. Hein. On a ici, on rencontre un homme peut-être. Alors, ici, je ressens aussi des relations homosexuelles, pour ceux qui ça résonne. Voilà, je ressens ça. Ici, je vois un homme qui peut paraître un peu triste, un peu dépressif sur les bords, un peu nostalgique de la vie, peut-être plus âgé aussi que vous, par exemple. Et quelqu'un qui, voilà, qui voit pas toujours le verre à moitié plein, hein, contrairement à vous. Vous avez tendance à voir toujours un peu trop les choses en, hein, en rose. Tout est beau, tout est parfait, tout est merveilleux. Le monde des bisounours, hein, MDR. Alors que cette personne, elle est pas tout à fait d'accord avec ça, ou elle n'a pas la même façon de fonctionner, quoi, clairement. Elle est plus posée, plus calme, en tout cas. Mais finalement, vous connectez aussi là-dedans, parce que vous, c'est aussi quelque chose que vous avez beaucoup développé, ce côté un peu foufou, fofolle, mais un peu pailleté. Mais finalement, vous savez aussi être calme, vous savez être sérieux, sérieuse, vous savez être aussi négatif, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez aussi aller mal, quoi, hein, vous savez ce que c'est la douleur aussi, finalement. Mais voyez, mais vous n'avez pas la même façon de peut-être de gérer, voilà, même façon de gérer la difficulté. Cette personne, elle aura tendance à vouloir plutôt s'isoler, se renfermer, s'isoler, alors que vous, au contraire, il faudra aller voir des gens, aller voir des amis, ou aller dans les réseaux sociaux, partir en soirée, enfin voilà, c'est ça qui va vous aider, vous. Ou aller dans la nature, voilà, pour vous ressourcer, machin, tout ça. Ben vous, il vous faudra faire quelque chose avec les gens, avec l'extérieur et tout, alors que cette personne, elle aura plutôt tendance à avoir besoin de solitude, surtout, de méditation, tout ça, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'accord, donc on a déjà ça. Alors, je pense que ce qui va vous unir aussi, c'est que à la rencontre, vous serez tous les deux en train de, ou toutes les deux, enfin, prenez ce qui résonne, en train de chercher un partenaire ou une partenaire. Hein. Vous serez tous les deux célibataires et tous les deux en quête. Pour moi, vous serez tous les deux célibataires. Hein. Oh, waouh. Ah, c'est le feu d'artifice dès le départ, hein, quand même. On a le soleil, on a le trèfle. Alors, rencontre en été peut-être, avec les lunettes de soleil ici. Ça peut être une rencontre en été, rencontre au bord de l'eau, bord d'un lac. On a les souris. On a quand même quelqu'un de stressé. On a quelqu'un qui a des ennuis quand même. Hein. On a une des deux personnes qui a des problèmes, qui a des ennuis. Et on a le fouet. Donc il y a quand même des conflits, des tensions et du stress. Un peu de dépendance aussi. Peut-être des problèmes, des soucis de finances ou de travail, d'un côté ou de l'autre. D'accord, ça sera peut-être vous, ce sera peut-être l'autre, peut-être plus l'autre, qui aura des problèmes au niveau du travail, qui aura des problèmes de confiance en soi aussi peut-être. Problèmes au travail, difficultés au travail, souffrance au travail. Ouais, un sentiment d'être un peu esclave de sa vie, esclave de son métier, esclave de sa famille. Enfin, ouais, non, il y aura un truc qui sera lourd quand même chez l'autre personne. Hein, Mais vous, vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil pour cette personne. Ça, c'est incroyable. Mais bon, faut pas que vous soyez non plus un remède, quoi. Donc, bon, je ne sais pas encore vers où ça va cette histoire, hein. C'est à double tranchant, j'ai l'impression. Alors, vous, tout de suite, vous allez avoir envie d'être en couple, hein. Vous allez vous mettre en couple rapidement, j'ai l'impression. Ça va être assez évident entre vous. Vous allez dire, ouais, vas-y, on essaye, quoi. Ensemble, on y va, on tente. On est bien, enfin, il n'y a pas de raison, quoi, de pas essayer, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a vraiment rien qui peut vous arrêter. Pour moi, au départ, il n'y a pas d'obstacle. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une des deux personnes qui peut être un peu mal, en fait. Mal dans sa peau, il y a un mal-être chez cette personne qui va vraiment perdurer ou qui va vraiment commencer à bloquer la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ok. De la joie quand même. De la joie, du hasard, du bonheur. Le hasard qui fait bien les choses entre vous quand même. Hein. Le hasard qui fait bien les choses. Ouais, donc il y a quand même du bonheur entre vous.
Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la rencontre, elle peut se faire en été. En août, en été. Elle peut se faire dans une période aussi où vous êtes en plein succès, célébration de quelque chose, par exemple. En pleine expansion, en plein épanouissement. En plein rayonnement, voyez? À un moment clé de votre vie, un moment où il se passe un truc hyper positif, quoi. Hyper positif dans votre vie. Et paf, vous rencontrez cette personne, quoi. Incroyable. Double bonheur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, ça se gâte un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, oh, après, ça devient un peu lourd. Il y a une lourdeur qui s'installe. Mince alors! Moi, je pense que c'est un problème au travail. Peut-être vous rencontrez cette personne au travail aussi. Vous pouvez rencontrer cette personne via le travail. Tout à fait, l'activité professionnelle. Vous aurez peut-être un peu, vous méfierez peut-être un peu de cette personne, je sais pas, vous aurez des difficultés à faire confiance, peut-être l'autre aussi, je sais pas. Ok, on va continuer. Alors, on va voir les signes astro. Oula. Alors, on a Balance. Oula, Gémeaux et Scorpion, bah oui. Oui. Les écorchés. Et Sagittaire. Ouais, donc, on a une dynamique. Alors, ça peut être les signes astro, donc signe solaire de l'un ou de l'autre, ou l'ascendant, le lunaire, mais qui va être significatif, ou alors un signe qui ressort beaucoup dans le thème, qui est dominant dans le thème. Vous avez beaucoup de placements en balance, par exemple, vous voyez? Donc là, on a ces énergies. D'accord, alors, on a quand même beaucoup l'énergie de l'automne qui ressort, hein? Automne et fin d'année, donc été, automne, fin d'année, vraiment, c'est significatif. Les études aussi, les formations études, peut-être vous rencontrez pendant les périodes d'études, de formation, scolarité, période scolaire. Vous vous rencontrez, ouais, par rapport à ça peut être ça. Quelqu'un qui refait ses études aussi peut-être, un des deux qui refait ses études ou qui aura besoin de refaire ses études, de se reconvertir, peut-être parce qu'il y aura des difficultés au travail, qu'il peut y avoir cette dynamique entre vous. Mais il y a beaucoup aussi d'optimisme entre vous. Beaucoup, voilà. En fait, c'est ça, on a quelqu'un de très optimiste et quelqu'un de plutôt pessimiste hein, dans l'énergie. Bon, voilà. Mais vous pouvez trouver l'équilibre ensemble par rapport à ça. Puis il y a un peu de contraste entre vous quand même. Hein. Il y a des contrastes, il y a de l'intensité. Voilà, il y a un peu une dynamique comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la maison 5. Donc, on confirme encore le mois d'août. Mois d'août qui ressort beaucoup. Alors, vous vous amusez, vous passez du bon temps ensemble, vous vous confiez l'un à l'autre, vous faites des activités ensemble. Vous jouez à des jeux, vous faites de la musique, vous jouez à des jeux de, peut-être des jeux vidéo, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a de l'amusement, il y a du jeu, de l'amusement entre vous. Il y a de la passion aussi. Donc, on a le nœud sud. Donc, c'est une relation qui était destinée, que vous étiez destinée. Vous devez vous rencontrer, mais je pense que vous devez vous rencontrer surtout pour quelque chose de précis. Et on a la maison 4 également. Donc, on a l'énergie du cancer aussi. Cancer et du lion ici. On a encore l'énergie de l'été, du coup, qui ressort, hein, qui sera significatif et important pour vous. Donc on a la maison, donc le confort. C'est une relation qui est confortable. C'est une relation qui est confortable, qui est apaisante. Cette personne vous apporte du confort ou l'autre est réconforté avec vous. Il y a une notion d'ancrage, mais du coup, il peut y avoir une notion de dépendance avec l'autre. Il y a aussi la famille qui va être importante dans l'histoire, la famille de l'un et de l'autre qui va peut-être avoir un impact fort dans la relation. Mais ouais, on se repose quand même sur cette relation beaucoup, peut-être pour un peu pour éviter la réalité ou éviter les problèmes. Hein. Il peut y avoir un peu cette dynamique. Mais ça peut être voilà, une relation très enrichissante quand même. Hein. Très très enrichissante, mais
voilà, on aime bien rester dans notre cocon, à nous, dans notre nid intérieur, et on peut un peu se couper de l'extérieur ou s'oublier parfois à cause de la relation. C'est pas destructeur, mais c'est à la limite, hein, je pense. C'est borderline un peu le truc. C'est à la limite. Va falloir faire attention à pas s'oublier dans cette histoire, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'affection, d'attachement. Et il se peut qu'il y en ait un des deux aussi qui en ait marre de ça, hein, que l'autre soit trop là, quoi, trop présent, trop omniprésent, et l'autre a besoin d'air. Il y a un peu une notion d'étouffement qui peut être possible. On materne trop l'autre aussi. On veut trop l'aider, on veut trop le soutenir, on veut trop le... Ça devient lourd. Vous voyez? Il peut y avoir aussi cette dynamique qui ressort. Alors, qu'est-ce qui vous attire à la rencontre? Comment vous vous attirez? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la 8 de denier. Hein, vous vous rencontrez peut-être en formation études, encore une fois. Ensuite, on a la 4 de d'épée. Ah, vous vous rencontrez en méditation. Il y a une notion de méditation de nature dans la dynamique. Et on a la 8 de coupe. Ouais, c'est la sagesse de l'autre qui vous attire, la maturité. La maturité de l'autre qui vous attire beaucoup, hein. Le calme, l'autre vous apaise en fait. C'est la paix que vous ressentez avec l'autre qui va énormément vous attirer. Vous vous sentez en paix quand vous êtes avec l'autre. Apaisé en tout cas. Mais du coup, attention, parce que ça peut être un peu pansement vibes, hein, quand même. Ça peut être bien, mais pas au long terme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous voyez vraiment cette relation comme une chance, comme une opportunité. Vous avez quoi là? Le cavalier de Pentacle. Ouais, cette relation vous sécurise beaucoup. Ça vous apporte énormément de sécurité. Ça peut faire référence un peu au père. On a envie d'avoir cette sécurité avec l'autre, de se sécuriser. Et on a la 6 d'épée. Donc, c'est quelqu'un avec. Voilà, que vous sentez que vous pouvez. Ouais, d'un côté, on a la 4 d'épée, la 6 d'épée. Et entre les deux, il y a la 5 d'épée. La 5 d'épée, justement, c'est le conflit, c'est l'ego. C'est une relation qui vous permet d'éviter le conflit à l'intérieur de vous, qui vous permet d'éviter un peu peut-être certaines souffrances. J'ai un peu ce sentiment. Hein. On évite un peu de guérir en fait. C'est un peu voilà. C'est une relation où vous aurez envie de vous enfuir ensemble. Je sais pas. Il y a une notion de fuite. On veut fuir la réalité. On veut fuir le réel ensemble. Donc il y a un peu de fantasme, d'illusion relié à cette histoire. Il y aura peut-être un déménagement aussi, un changement de lieu, d'habitation, mais il y aura aussi un peu trop de... On évite de souffrir et... Enfin, on évite d'avoir mal et du coup l'autre nous apaise. Mais j'ai du mal à savoir si c'est vraiment sain cette histoire, vous voyez? L'autre nous sécurise, quoi. Un peu notre papa, notre maman, quoi. Il y a un peu un truc comme ça, quand même. Hein, donc, bon, il faut être vigilant dans cette histoire, j'ai l'impression. Faut être vigilant, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a l'ambulance. On a l'ambulance. Donc, c'est à la limite du pas bon, là. C'est à la limite du pas bon. Ouais, oh, ah, on en a quatre, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La main. Vous allez vous tenir la main. Il y a un peu de manière. Ouh, on a encore la main. Les cornes du diable, ouais. Pour moi, il y a un peu. un peu hein, ouais, une tentation avec cette personne, mais. La nouvelle lune qui sera significative. Peut-être rencontre lors de la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui sera importante pour vous. Et cette personne, en fait, vous allez aussi. Elle va vous aider aussi, je pense, à. Vous allez rencontrer cette personne quand vous serez dans un nouveau départ, où l'autre sera un nouveau départ. Et de toute façon, vous devez vous rencontrer. Hein. L'étincelle, ouais, il y aura quand même la flamme, il y aura l'étincelle. Ouais, les choses vont se faire peut-être lors d'une nouvelle lune. Il y aura une tentation ici assez forte. Il y aura peut-être un peu d'interdit entre vous aussi. C'est possible.
On va voir comment va être la relation. Comment va être cette relation? Ah, attendez, il faut que je mélange ici. Peut-être aussi que l'étincelle va être dure à maintenir entre vous. À un moment donné, il va y avoir une lassitude. Un des deux qui va partir, je sais pas. Il y a beaucoup d'amusement quand même entre vous, hein. Vous vous amusez ensemble. Vous vous amusez, vous rigolez. Ça s'amuse. Ça s'amuse, mais j'ai l'impression que ça reste pas, quoi. On évite un truc, on évite une souffrance. Hein. Je ressens ce truc, hein. Je suis désolée. Hein. Reine de coupe, on a le côté très maternant entre vous. Vous allez vous materner. On a le prince de deniers. Donc, il y a aussi un manque d'expérience dans cette histoire. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire. On n'a pas l'habitude de ce type de relation. On n'arrive pas à cerner l'autre, enfin en tout cas, on n'arrive pas à savoir comment se comporter avec l'autre, comment faire dans cette relation. Il y a un peu ce truc, hein, on est un peu perdu, on est inexpérimenté, on est peut-être jeune, trop jeune. Donc c'est marrant hein, parce qu'il y a beaucoup de maturité et en même temps beaucoup d'inexpérience, beaucoup de choses qui sont dans la tête et pas assez dans le réel aussi. Vous voyez ce que je veux dire? La 2 de coupe. Il y a un match entre vous. Ça match. Ça match entre vous. Le monde, ok, vous vous rencontrez soit à travers Internet, soit vous avez deux cultures différentes, soit vous avez une distance entre vous, soit vous n'avez pas la même culture. Vous avez une culture qui est différente, vous êtes, ouais, vous n'êtes pas du même pays, de la même culture. Ça peut être très significatif entre vous. Ou pas la même religion ou courant spirituel, quoi. Mais qui crée quand même pardon, une différence significative entre vous. Il y a quelque chose qui vous sépare. Quelque chose qui vous unit. Il y a quelque chose qui vous sépare. De premier abord, ça sera une belle rencontre. De premier abord. Mais ça va s'alourdir au fur et à mesure. Ouais, la 10 d'épée. Pour moi, il y aura une fin à cette histoire. Cette histoire, pour moi, ne durera pas, je pense. Ouais, il n'y aura pas assez d'équilibre. Il y en a, ok, il y en a un des deux qui va trop donner. Voilà, ça c'est clair. Il y en a un des deux qui va trop donner, qui va trop... et l'autre ne donnera pas. Alors, pour certains, peut-être vous avez déjà vécu cette histoire, hein, je ne sais pas. Mais, non. Il y aura trop un décalage entre vous deux. Il y aura un décalage et il y aura un déséquilibre. L'autre donnera trop par rapport à l'autre. Ça ne marchera pas à long terme. Au long terme, ça ne marchera pas. À court terme, ça marchera, mais pas au long terme. J'ai un peu ce ressenti. C'est quelqu'un que vous rencontrez lors d'un voyage aussi, peut-être. Et peut-être que vous savez, j'ai l'impression que vous le savez un peu, que ça ne va pas durer, que ce sera de courte durée. J'ai l'impression que vous avez un peu ce pressentiment ou cette intuition. Direct à la rencontre ou au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, vous vous dites, bon, je sais pas si c'est vraiment... Vous allez énormément douter de ça, de vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Vous allez vraiment douter, hein. Vous allez vous dire, j'ai quand même de gros doutes sur le fait que ce soit avec cette personne que je vais pouvoir construire quelque chose, hein. Ou alors j'ai un gros doute sur le fait que ce soit mon grand amour, quoi, hein. L'élu de mon cœur, j'ai des doutes quand même. Ça reste une histoire importante, une histoire belle, ça reste quelque chose de fort, mais c'est pas... ça se tasse, ça se tasse, ça se lasse, ça s'alourdit, ça se déséquilibre. Manque de communication peut-être aussi qui peut être là. Difficulté vraiment à se comprendre, à communiquer. On se renferme, on fait la gueule. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Quand, à un moment donné, il y en aura un, honnêtement, je pense que c'est vous, hein, qui se barrera, quoi,
qui dira stop, là c'était la goutte de trop, et puis c'est bon, je m'en vais, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Peut-être qu'il y aura un peu de enfin, de violence entre vous. Attention, hein. Je parle pas de violence conjugale, parce que là, moi, je rentre pas dans ce truc-là. Hein. Mais bon, il y aura un peu de... On a mal quand même, mais on le dit pas. Il y a un peu ce truc où on se voile la face, hein. Vous savez? Les lunettes roses, là. Je veux voir ton vrai visage, hein. On n'arrive pas à cerner la personne, peut-être? Ou alors, on se voile la face. Hein, on voit tout en rose alors qu'il y a quand même du noir, hein, dans cette histoire. Voyez? Mais on se voile la face. Et peut-être qu'il y aura des coups par derrière, là. Peut-être qu'il y aura des blessures. Hein. Alors, pour une nuit ou pour la vie? Enfants, conversation de cœur à cœur. Peut-être vous aurez des enfants ensemble, pour certains d'entre vous. C'est vraiment possible, hein, que vous ayez des enfants, que vous aurez déjà des enfants quand vous le rencontrerez. Ou le rencontrerez, ou alors vous rencontrez jeune. Peut-être qu'au moment où vous rencontrez, vous aurez envie d'avoir des enfants. Mais bon, et vous aurez besoin d'une discussion honnête avec cette personne. Une discussion où vous dites bon. Voyez, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une conversation où vous devrez dire votre vérité. Pour moi, c'est ça. Hein. Faudra à un moment donné dire bon, bah voilà, là je. Je peux plus. Moi, je sens ça là. Je sens ça en fait. Je vous dis tout simplement ce que je ressens là. Ok, bon, bah, on est sur quelque chose de joyeux. On adore. Allez, Taureau. Obligée de gueuler. The King, yes, la couronne. On va mettre cette personne sur un piédestal et puis on va redescendre du piédestal. On a un anniversaire ici qui peut être important. On va fêter l'anniversaire ou l'anniversaire sera important. On aura des enfants peut-être. Ouais, là, on va se poser des questions, hein. Ou ah, je vois tout de suite quelqu'un qui débloque, quelqu'un qui se dit mais quoi, mais de quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, incompréhension de l'un et de l'autre. On comprend pas l'autre. Il y a beaucoup d'incompréhension entre l'un et l'autre. Hein. Et perte d'énergie. Les bougies, là. Les bougies, moi, je vois comme un anniversaire. Un anniversaire qui ressort. Je sais pas. Un anniversaire qui sera important. Et ici, on a un déménagement. Ou une transition professionnelle aussi qui va être importante dans cette histoire. Déménagement, transition professionnelle. Qu'est-ce qu'on a comme lettre? Alors, nom, prénom de l'un ou de l'autre. Allez. W. On a deux cas, donc vraiment le caca, ben ouais, je vous dis, ça pue la merde. Oh mon Dieu. K. R. C. W encore. Ok. Y. Y. M. U. G. Et Q. Voilà. Ouais. Donc, bon, voilà. Donc ça peut être nom, prénom, voilà. C'est pas obligatoire, bien évidemment, ça reste que des indications. On va voir avec les runes, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula! Ça s'est sorti. Un défi. Il y a un défi à relever dans cette relation. Énergie, il va falloir prêter attention à l'énergie, à comment on se sent avec cette personne. Et on a création. Vous allez créer quand même quelque chose ensemble, hein. Que vous le vouliez ou non, enfin hein, que vous vouliez ou non, enfin si vous. Mais en fait, même si ça va être. À un moment donné, il y aura une lourdeur. Vous allez quand même passer du temps ensemble, hein, pour moi. Vous aurez envie de créer quelque chose ensemble. Il y aura de la fertilité quand même. Hein. Créer, je sais pas, un truc professionnel à deux, fondation d'une famille. Vous allez créer quelque chose, hein, vous allez faire des choses ensemble. Hein. Mais. Vous allez peut-être habiter ensemble, voyez. Création d'une vie à deux. Vous aurez besoin de toute façon de ça pour prendre conscience des choses. Regardez, on a deux petites bouteilles là. Deux petites bouteilles. Donc, ouais, c'est vraiment, on s'est quand même rencontrés, on avait besoin l'un de l'autre. Alors, on a cette notion
de manger ensemble très souvent. On a un fort attachement des deux. On est très attachés l'un à l'autre, hein. Très très fusionnels même. Alors, own your dreams. Donc, vous rêvez de cette personne. Il y a un peu un côté très rêveur hein, dans cette histoire. Vous rêvez de l'autre. Enfin, vous allez être comme dans un rêve. Il y a quand même ce truc. On a la clé. Donc, vous trouvez des solutions ensemble. Ouais, vous trouvez des solutions ensemble. Il y a quand même un côté positif. On a l'étoile de mer. Je vous ai parlé, non, du bord de mer. Il y a une notion de bord de mer ici. Hein. Pareil, ici, on a une fleur noire, vous voyez? Il y a un côté quand même ici, hein, une sensibilité, une pureté et une douleur quand même qui ressort. Un côté noir qui ressort. Quelqu'un qui est très sensible et un peu dark. Et là, on a quelqu'un qui est très joyeux, très solaire, très léger. On a un énorme contraste d'énergie entre les deux, par contre. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour la suite, parce que je me dis, ça va être dur pour maintenir le truc au long terme, j'ai l'impression, mais bon. Et après, vous vous étiez trouvés, vous aviez vraiment besoin l'un de l'autre, quoi. Besoin de remplir un peu le vide de l'autre, vous voyez? Remplir le vide de l'autre, c'est un peu ce que je ressens. Ça. En même temps, ça me touche, et en même temps, ça m'attriste. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les anges, je vais le parler, là. Communiquer clairement. Et ouais, il va falloir parler, hein. Il va falloir dire les choses avec cette personne. De grands changements positifs. Il faudra pas avoir peur du changement. Demeurez positif. Ouais. On va pas perdre votre joie non plus dans cette histoire. Perdre votre positivité. On vous dit que ça dépend de vous, hein. Beaucoup de choses vont dépendre de vous aussi, de ce que vous allez faire, ce que vous allez décider dans cette histoire. Alors, on vous dit, attendez, il y aura un moment idéal. Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit la rencontre, que ce soit peut-être une création ensemble, que ce soit peut-être même une séparation, si c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, ça reste des grandes histoires d'amour, là, de toute façon. Hein, les quatre choix sont des grandes histoires d'amour quand même. Hein. Bah du coup, vous inquiétez pas, il y aura un moment, un timing parfait, ce sera très intuitif, très fluide, où vous saurez exactement ce que vous devrez faire. C'est important. D'accord? C'est quoi ça? Oui. Alors entre vous deux, c'est quoi la fluidité? Ouais, il y a un non. À un moment donné, il faudra dire stop. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, voilà, il y a un petit oui. Donc vous allez dire oui, puis à un moment donné, vous allez dire stop. Moi, je le vois comme ça. À un moment donné, vous allez dire stop dans cette histoire. Vous allez dire, voilà, oh c'est bon, la goutte de trop. La goutte de trop, les gars. La goutte de trop. Pardon. Je m'excite. Hop, c'est ça qu'on veut. Alors, les conseils. Je suis une part de ce monde à part de ce monde. Il faut que vous preniez conscience un peu de votre. Je pense que vous aurez une différence de fréquence vibratoire. Et il faudra accepter que vous n'avez pas la même fréquence vibratoire à un moment donné avec cette personne. Il se peut que vous preniez conscience vraiment que vous avez une fréquence vibratoire différente et que. Ou que. Enfin. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble et que du coup, il ne faudra pas oublier, vous, votre nature profonde pour vous oublier dans cette histoire. Vraiment, le truc de pas s'oublier va être important. Mais c'est quoi cette carte-là? Je vois une carte, mais. Oh, ah voilà, un jour tu n'auras plus besoin de lire ceci. Ouais, donc cette histoire sera une leçon de vie. C'est l'intention qui compte. Et ouais, j'aime ce que je suis en train de devenir. Donc, pour moi, vous ferez une transformation. Ils ont dit que la limite, c'était le ciel. Pour moi, vous changerez, vous allez évoluer suite à à la rupture, je pense. Vous aurez besoin de retrouver un peu le goût de la vie. Hein, parce que, je sais pas. Je suis aimée et guidée. Accepte, ouais. Il y aura besoin d'accepter ici une séparation avec cette personne, ouais. Parce que là, parfois, on se ment. Là, on se ment. Il faudra faire un choix. Demande de l'aide de l'univers. Bon, c'est vrai que c'est clair. Alors là, c'est quand même hyper clair. À un moment donné, vous allez capter que, bon, vous vous mentez à vous-même. Donc, il faut arrêter. Il faut faire un choix. Et pour ça, il faudra que vous demandiez de l'aide. Ouais, les guides, va de l'avant. On va énormément vous guider pour que vous sortiez de cette situation. Parce que
ça pourra pas durer au long terme. Vous allez vous faire du mal au long terme. Honnêtement, au long terme, ça sera vraiment pas fun, pas cool. Non, quoi. Moi, je vous conseille pas au long terme avec cette personne. On tient. Ouf, bah voilà. Changement. Ouais, voilà. Voyez, c'est votre zone de confort, cette personne. Hein. Donc, il faudra à un moment donné sortir de ça. Nœud sud encore. Hein. Deux fois que ça sort. C'est votre zone de confort. Et un jour, vous aurez besoin d'aller vers l'inconnu et de sortir de cette zone de confort. C'est dit, c'est clair. Voilà. Voilà les amis. Bon, écoutez, j'espère vraiment que ce tirage aura résonné avec vous. Surtout, je vous attends en commentaire, comme d'habitude. Je lis vos commentaires, n'oubliez pas. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Likez, partagez, abonnez-vous pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao! The way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like I believe in a higher love. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the sun.